Bonjour à tous et à toutes. Moi, Jim, président, je vous promets, je déconne. Vous l'aurez compris, je ne me présente pas aujourd'hui au présidentiel, mais tout simplement, je vous présente un petit rapport de bataille avec l'ami Hervé que il semblerait vous ait beaucoup apprécié en tant que pour son roleplay en termes de joueur. Aujourd'hui, il vient avec une armée de cœur, donc c'est avec les Bok, face au First Prince. Donc voilà, une petite allégeance, sous-allégeance qu'on pourrait appeler du chaos un petit peu à part, que moi je vais jouer et que je suis extrêmement content de vous présenter aujourd'hui. Du coup, petite game en 2000 points sur le scénario sélection naturelle. Donc c'est le scénario où il faut choisir trois unités qui seront prédatrices. Il me semble qu'ils vont rapporter des points quand on les tuera. On a essayé de faire un rapport de bataille un petit peu plus condensé, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que là, on est sur un match-up qui est extrêmement long. On en a eu pour 5 heures de tournage. C'est intensif, donc c'est extrêmement épuisant, c'est long. Et là, sur le montage, moi j'ai voulu que je voulais pas que ça dépasse les 1h40. Je crois qu'on y est arrivé à peu près. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo. Je remercie également Crank Wargame pour les tapis de jeu incroyables sur lesquels on peut jouer, qui sont super immersifs, qui nous permettent de faire des games et de vous proposer des petites trailers, on va dire, de parties en début que j'aime beaucoup mettre en place pour vous. Ainsi que qui commence notre partenaire. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la game qui a été d'une intensité et d'une rare violence, les amis. Bon rapport de bataille. I am the Shadow. Bonjour, Hervé des Batailles Fantastiques. Je vais présenter mon armée de Bok que j'ai utilisée contre Jim. Donc, concernant cette armée, j'ai fait un full. J'ai utilisé beaucoup de Minotaurs et beaucoup de Dragons Ogres. Mon objectif, c'est vraiment faire du placement, impacter au bon moment. J'ai la liste, vous l'avez en présentation. J'ai deux, trois petites sournoiseries avec mon Best Lord qui est là pour un peu surprendre avec ses dégâts, ses 6 attaques en dégâts 3. Et ma tactique est simple, occuper la table, faire du placement, lui donner à manger, et puis préparer mes contre-attaques. Et puis après, le reste, c'est le jeu, et avoir des solutions pour pouvoir jouer sur mes 5 tours. Je joue Bok, j'ai une boîte d'invoque, et puis si je peux éviscérer Jim pendant la bataille, je le ferai. Concernant ma liste d'armées, donc c'est pas très compliqué, hein, dans ma liste d'armées, Légion du Premier Prince, j'ai mis 4 gros, un gros bueur de sang, donc c'est celui qui fait les BM en zone qu'on connaît bien quand il va faire un 6 à la blessure. Le Grand Immonde qui est mon général et qui va être équipé de l'artefact qui va donner un FNP à 8 entièrement autour de lui à 5. Plus donc la relique qui fait qu'en gros, au hasard, sur les 15 attaques de Nurgling, sur chaque 5+, ça sera des 3 BM. Donc c'est assez conséquent, en moyenne c'est 10 BM au total. Donc je vous laisse voir la puissance du bordel. Bellacor, bien évidemment, hein, celui qui vient sublimer, on va dire, cette Légion du Premier Prince, qui va pouvoir répertorier ses dégâts sur soit des pinks, si j'en invoque, parce que je peux invoquer à la fin de chaque phase de mouvement en lançant 3 dés si je fais 10 ou plus. Si j'en invoque donc des pinks, des bloodletters, des plaquebearers qui sont juste ici déjà dans mon armée de base, ou la quatrième unité, donc, mais que je n'ai pas, donc c'est les petits de Slaanesh. Donc en gros, je ne les ai pas, donc pas très impactant. Ensuite, on a évidemment Kairos. Donc Kairos qui est mon lanceur de sorts, celui qui va fiabiliser la magie avec les spell portail ici pour lancer donc, son petit sort signature qui va faire 6 BM flat quand il n'est pas dégressif, bien évidemment, et qui va me permettre de poser un enfant du chaos si je tue une figurine avec lui. Avec ça, je vais jouer 3 Luin, donc 2 unités de chiens de corne et une unité donc de plaque bearer. Voilà, 2000 points, simple, honnête, efficace, si je puis dire. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai 4 gros qui ont vraiment de la gueule, donc j'ai hâte de jouer cette partie contre Hervé.
On vient de finir le déploiement, donc déploiement un petit peu long parce que Hervé a ramené un petit peu beaucoup de figues aujourd'hui. Moi, ça a été un peu plus rapide parce que j'ai pris l'optique de mettre beaucoup de gros, donc ça va. C'est moi qui ai fini de me déployer en premier. Du coup, je te laisse le premier tour. Bon, qu'est-ce que tu vas nous faire? C'est parti. Au niveau de ma tactique de bataille, je vais essayer de prendre les deux objectifs qui sont sur les bords. Montrer mon action héroïque. Je vais essayer de générer un PC sur ce héros que j'aurais pas généré. Et c'est parti pour la magie. Alors attends, moi aussi je vais générer un PC avec le buveur de sang qui était juste là du coup. Non, non plus deux. Pour l'instant on est assez égaux. Allez, au niveau de mes sorts, ici je vais commencer à lancer pour augmenter de moins 1 la sauvegarde, la perfo, excuse-moi, sur cette unité. Je fais 6. Est-ce que tu essaies de le dissiper? Ouais, alors faut savoir qu'on a déjà regardé, je les dissipe pour tout, donc du coup je vais essayer de les dissiper avec celui-là, ça va être Bellacor qui va essayer de dissiper ça. Dissiper. Ok, pour relancer pour blesser sur eux. Oh, je fais 4, c'est raté. C'est raté, ici, pas besoin de dissiper. Pour rajouter plus 1 à la save. Ça, il n'y a pas tellement le choix. Sur eux. Ouais. Hop, hop, ah, trop de dés. 8, allez 8, je suis d'accord. 8, donc c'est pas dissipé. Et c'était avec le grand Timon. Mais qu'on appelle ça, mais. Dégorgé. Mégorgé, je vais m'égorger moi-même. Je connais bien les bocs. Hein. Je connais bien. 3 points d'invoque. Donc théoriquement, j'aurais dû le faire dès le début. Ouais, mais, ça n'a pas d'impact. 1 point d'invoque supplémentaire. 4 points. Et théoriquement, j'aurais dû le faire avant. Et je vais lancer mon sort sur moi-même pour me regagner des points de vie. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu essaies de le dissiper? Oui, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre à essayer. T'as fait 8, c'est ça? J'ai fait 8 également. Un éclair me tombe dessus et je regagne. Un des 3 points de vie, cassé, je regagne 2 points de vie, donc il en aura perdu qu'un seul. C'est rentable hein, cette histoire hein, quand même. Hein. Fin de la phase de mouvement de Hervé. Alors on précise pour les plus puristes d'entre vous qui connaissent très bien les bocs, je sais qu'il y en a très peu. Évidemment, il a fait son mouvement de pré-move hein, avec les dragons ogres, on a juste choisi de le faire un peu plus tard parce que ça n'avait pas d'impact. Donc, qu'est-ce que tu nous as fait sur ta phase de mouvement? C'est simple, je me suis placé, j'ai pris les objectifs, j'ai occupé la table et je me suis préparé à attaquer un peu partout. Et son grand immonde, il me fait trembler un peu. Voilà, autant le buveur, il me fait trembler, mais le grand immonde, comment il est équipé, il me fait trembler. Donc j'attends de savoir où il va aller. Ok, bah écoute, du coup ça te fait scorer 5 points, 2 pour la tactique de bataille et 3 pour les objectifs secondaires. Donc du coup, ça termine ton tour et du coup on va passer au mien bien gentiment. C'est parti, début de ma phase des héros. Alors, ce que je vais faire, déjà, on précise que ici, lui, il a regagné son PV sur un 2+, évidemment. C'est ma phase des héros, c'est pas la tienne. Non, voilà, c'est toi qui vas prendre, là. Ils encaissent. L'inverse des héros. Ce que je vais prendre en tactique de bataille, c'est que je vais courir avec le grand immonde, les chiens et Bellacor. Donc, comme ça va me faire déjà 2 points assez facilement. Pour l'action héroïque, je vais essayer de gagner un PC avec le buveur de sang. Sur 4+, voilà. Oui, donc il aura son petit PC qui va gagner. Toi, de ton côté, tu fais quoi? Une disciple ici. Une disciple supplémentaire ici, très bien. Écoute, on va commencer avec les sorts. Donc, je vais balancer déjà le premier sort avec Bellacor. Il va lancer son sort signature sur E, qui va mettre moins un hit, ou moins un bless, je vais vérifier. De toute façon, il passe pas. Comme ça m'a mis de vérifier, c'est pas mal. Pour la horde. Ensuite, lui, il va se faire un bouclier mystique sur lui-même. J'y crois. Ouais, tu crois, moi j'y crois. Ouais, mais j'y crois pas. Ah, t'es. Flaming Weapon. Ouais, un petit Flaming Weapon. Ouais, ça passe, 9. C'est pas mal. Ah, ça. Non dissipé. Ça passe, Bellacor. Je reviens sur Bellacor qui va faire un trait magique sur lui-même. 9. Dissipé, ok, Bellacor n'aura pas fait. C'est pas grave parce que maintenant on passe à Kairos. Je crois que t'as personne à porter. Non. Donc on va commencer avec les portails. C'est parti. Bon, 12. Vous avez compris ce qui va se passer. Les portails, je vais en poser un ici, globalement. Grosso modo, on va le mettre là. Et ensuite, je vais balancer son sort signature. C'est là qu'il ne faut pas se rater. Ça passe sur 8. Double 1, si on relance le 1 et qu'on le transforme en 1, ça fait quoi? Vous avez vu? Trop confiant, il était là. Depuis tout à l'heure, il dit, écoute, je vais me le régler. N'oublie jamais. N'oublie jamais. La horde. Ça m'embête un peu, je vous avoue. Bon,
C'est pas grave, je préfère prendre le fiasco, je veux pas gaspiller son dé de relance, donc je vais prendre mon fiasco, je vais perdre 3 PV. Ah, ça fait mal quand même, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ok, bon. Bon, ça écoutez, fait du bien ça. Écoutez, écoutez. Ça fait mal et ça fait du bien, vous voyez, c'est quand même un jeu basé sur... maintenant il y a une grosse réflexion, alors forcément je vais dissiper les miroirs, hein, c'est parti. Grâce à l'aptitude de Kairos. Et maintenant, je vais devoir réfléchir à comment est-ce que je vais faire dans ma phase de mouvement parce que mon plan s'effondre. Littéralement, je n'avais pas du tout prévu ça. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement avec tout ce qui est invocation, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été plutôt conservateur dans le sens où voilà, y a rien à charger. J'ai advance avec pratiquement tout. Ici, j'ai repris l'objectif en mettant 3 petits chiens dedans parce qu'il avait qu'un gars dedans. Voilà, mon bueur de sang se met là parce qu'il est globalement prêt à défendre, on va dire, à rebondir. Là, ici, ça a couru, j'ai rempli ma tactique de bataille. Donc très bien, je me suis implanté sur le point du milieu comme il faut, comme un papa. Ah bah là, ouais. Eux, ils ont fait une advance de 1. De pu. Donc j'ai pas pu les envoyer vraiment là-bas, j'ai pu aller que là au max. Ça, c'est pas très grave, en vérité, suffira. Et j'ai fait une petite invoque ici, donc du coup avec papa Nurgle. Voilà, histoire de combler un petit peu les trous de protection. Kairos reste en backup. À noter aussi que, on en a discuté, mais c'est vrai que pendant l'allégeance, il est obligé de placer les chars donc, à ton tour. Donc à du tour, coup, on les a replacés. Bon, c'est pas très grave, ça change rien. Et il l'a fait avant ma phase de mouvement et j'aurais rien fait de différent vis-à-vis de ça. Donc, on arrive à la fin de mon tour. Je vais également marquer 5 points. Et on va passer au jet d'Initz. On n'a pas cédé. Là, c'était un tour que de placement. Là. C'était, observation, anticipation. Hein. Attends, t'as pris un dé bleu là, c'est pas le tien. Non, mais attends, je prends un Sigmar. Non, attends, non, prends un dé noir. Pourquoi tu veux que je prenne tes dés là? Parce que. Allez, je vais te le dire. Ah, 3-3, donc c'est à toi de choisir vu que t'as gagné. Bon, alors, sans suspense. Je vais prendre l'initiative. On va se retrouver au début de ton tour alors. Hervé a fait tous ses mouvements avec ses dragons ogres sur la table en pré-move. Je me suis fait 2 points de. Comment il s'appelle de, d'invoque, 1 plus 1, 1 PV. J'ai choisi en tactique de bataille de faire courir ces 3 unités. J'ai essayé de générer un PC que j'ai loupé. Ouais, c'est ton Discord. Je vais prendre mon PC de bataillon. Pour avoir 3 PC en début de tour. Malin. Moi, je vais faire également mon action héroïque. J'ai attendu avant de la faire pour vous montrer comment je vais magnifiquement me soigner avec Kairos. Des 3, un PV. Ici, je lance sur plus 1 la save. Ouais. Je fais 5. 5, celui-là, je vais essayer de le dissiper avec le chaman. Ouais. Ouais, moi, je suis à portée qu'avec Bellacor, je pense. Donc, enfin, Bellacor et le truc. Ici, sur mon héros, je vais faire relance pour blesser, moins 1 la save. Je fais 7. Qui peut dissiper? Je pense que le grand Timon peut. Oui, c'est bon. Ouais. Allez, c'est parti. Dissiper. 9. Ici, sur le grand immonde, mouvement divisé par 2, charge divisé par 2 et course divisé par 2. Je fais 8. 8, c'est avec qui tu lances ça? Avec lui, tu peux dissiper, t'as 2 dissipés. Ouais, bah, je vais essayer avec le grand immonde qui se défend lui-même. Non. Il se défend pas. Ici, avec lui, je vais rajouter moins 1 à l'arène sur eux. 10, ça passe, t'as encore une disciple, tiens. Eh bien, d'accord. 10, elle est pas évidente celle-là. Ok. 5. Voilà. Bon. Fin de la phase de mouvement côté Bok. Qu'est-ce que c'est que cette marée de choses? Il se passe trop de choses sur la table. On va essayer de synthétiser tout ça. Synthétiser, ça va être... Ouais. Bon, globalement, j'ai fait un redeploy. Alors, Hervé s'est avancé ici avec ses... c'est quand Chagarot, c'est ça hein? Non, Dragon Ogre, pardon. Donc, j'ai fait un redeploy avec mes chiens pour tenter, en fait, de rentrer tout le monde à zone d'activation de mon bueur de sang, donc de 3 pas. J'ai fait 1. Donc, du coup, j'ai un chien qui doit se faire tabasser parce qu'il est, hors des 3 pas. Voilà, de mon côté. Donc, du coup, j'ai cramé un PC. Il va m'en rester 2. De ton côté, Hervé. Alors moi, c'est simple, j'ai fait des placements un peu partout pour préparer des contre-attaques un peu partout. Et le chef a sonné dans le corps. Et telle la horde surgissant de la brume, j'ai attaqué de partout. Donc là, je vais essayer de faire popper, d'enlever. Je vais essayer d'enlever le plus possible d'unités de cordon. Parce qu'à la fin, bah, pour marquer les points, ils vont m'embêter. Je vais essayer d'aller chasser un petit peu son personnage là-bas. J'ai 2 charges. L'objectif, c'est vraiment... commencer à lui faire l'obliger à faire des choix. Tout à l'heure, s'il active, j'ai 2 grosses unités
Donc il va devoir faire un choix dans son activation. Ça veut dire que si lui vient par là et lui vient là-bas, il va devoir faire un choix et la riposte. Elle va payer. Se faire sentir. Elle va payer. Où tu charges, il y a beaucoup de charges, j'ai l'impression. Allez, on commence celles qui sont relançables. C'est gratos, c'est gratuit, c'est du char. Ouais. Allez, 3 relançables. Merci. Deuxième. 10 relançables. On sait jamais. On veut pas, on veut voilà, pas, on veut pas. Une seule charge. Donc ça sera ce char là-dedans, très bien. Une charge à 3. On va faire les plus importantes. Ouais. Je pense que une charge ici. Une charge à 9. Bon, ouais, ok, 9. Je vais le poser ici. Ouais, on va, on le sait. Ouais, par souci de... Dragon Ogre. Dragon Ogre. Pff, une charge à 9. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ces charges? Tiens, t'es... On fait tous les jets de charge, même si ça c'est dans l'ordre, mais finalité, je vais le poser là. Lui, je vais le poser pour impacter ici. L'histoire, c'est pour, voilà, c'est pour, pas, pour faire gagner de la fluidité. Il n'y aura pas de magouille, de placement. Ici, une charge à 3 avec plus 1. Donc c'est une charge réussie. Quand même des à l'impact, des... c'est la règle des Minotaurs. Sur 4+, ils font 1 des 3 BM. Donc je suis 4+, 1 des 3 BM, donc, 3 BM là-dedans, 2 BM. 2 BM. J'aurais aimé un des 6, mais bon. 2 BM, voilà. 2 FNP à 5+, je vais en resserrer un pour qu'un chien reste en vie. Non. Ok, donc c'est bon, on a fait tous les mouvements d'engagement, donc ça a engagé partout, comme vous pouvez l'imaginer. Grosse bataille qui se prépare. Moi, j'ai quelques actions de monstre. La première que je vais faire, c'est avec Gros Papa Nurgle sur 2+, ça va être 4 BM sur les Minotaurs. 4 BM, monsieur. Mmh, un Minotaur qui va, voilà, hop, 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 à la bannière. Musicien, allez. Ouais. Ah, oh, musicien. Oh, on ne sait plus. Ouais, on hésite. Kairos ici, je ne sais pas si j'arriverai à le tuer au corps à corps. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de lui piétiner dessus. Donc sur 2+, ça va être des 3 BM, oui. Des 3 BM. 3 BM. 3. Il en reste 3. Je vais commencer par activer eux, les Minotaurs. Mm-hmm. Je vais les déplacer pour les éloigner un peu. De... Mmh. Ce qui ne change rien parce qu'ils sont à 3. Non, mais c'est ils ont engagé. Ils tapent trop de monde. Et je leur mets. Je leur mets rien. Je leur mets rien et ils frappent. C'est du 4+. Ils ont épée bouclier. 3+, chaque 6, c'est une BM bonus. Je ferai. Une BM, 2 jets de sauvegarde à moins 2, dégâts 2. 2 jets de sauvegarde à moins 2, les chiens étant en 5+, ils n'ont plus de save. Donc dégâts 2, donc ça fait 5 BM du coup au total. Ouais, 5. 5, donc 5+, grâce à Papa Nurgle. Bah, ils ont une 5+. Ouais, bah, ils sont dans l'aura du Papa D'accord. Nurgle. Je rajoute les attaques de cornes. Ouais. 4+, 4+, chaque 6, c'est une BM. Donc je te fais moins 1, 2 sauvegardes à moins 1, dont une BM. 2 sauvegardes à moins 1 sur 6. Un 6, c'est bien. Et 2 BM de plus sur 5+. Donc ça fait une BM de plus. Ça fait 4 PV. Ça fait donc 2 chiens qui vont atrocement mourir. Très bien. Je vais enlever les pertes. Mais juste avant, on va passer à l'activation de Kairos parce qu'elle est importante. Alors, pourquoi j'active Kairos en fait? Parce que, je le précise, il a perdu déjà 2 PV. Il est très dégressif à 3 PV. Et s'il est encore engagé au corps à corps, ça va être un problème parce que je ne pourrais pas le remonter, il fera plus que des 6 dégâts avec son sort signature au lieu de 6. Généralement, quand j'explique mon plan comme ça, il foire. Il foire. Il foire. Va foirer. Et ça, regardez, il va tout foirer. Je vais lui claquer un plus un hit parce que c'est lui qui en a le plus besoin. Il faut à tout prix que je me débarrasse de ce char. Et donc, il va avoir 3 attaques en 2+, 2+, PA, moins 1, dégâts 2. Donc, c'est parti. 3 attaques, 2+, ça passe. 2+, ça passe. Et à moins 1, dégâts 2, donc 3 save pour le moment. 5+, dégâts combien? Dégâts 2, donc bon, ça fait 4 PV. Passer le char. Ouais, voilà, je vais, on il va, mort. On va l'enlever. Je passe à mon perso, là-bas, il a 6 attaques, je lui mets plus 1 hit, mm-hmm. Donc c'est du 2+. Heureusement, je l'ai senti. Il relance pour blesser grâce au sort que j'ai lancé tout à l'heure. Donc c'est du 3+ relançable. Là, ça c'est parce que t'as alors, trop comme expliqué. J'ai fait un 1, il prenait une BM à cause de son objet magique. Ok, ah, ça ouais. Commence. Et là, tu vas relancer ton 2, tu vas refaire. Relançable, tu vas. Voilà. Donc tu, vois. Tu vois, il je a donc... Demandé. Il a perdu 2 PV. Moins... Attends, je fais mon calcul... Moins 2 à la save. Moins 2, donc combien de dégâts? Dégâts 3. Dégâts 3, donc je vais prendre 6 dés pour 6 FNP à 6. Ok, donc je vais prendre 6 PV, ce qui fait globalement 3 chiens de mort, et toi, t'auras perdu du coup 2 PV. 1 PV, non, c'est que pour le 1 pour toucher. Ah, pas c'est pour que blesser, heureusement d'accord. Quand même. Dommage. Voilà, à toi d'activer. Je me dis qu'il a pas beaucoup de PV, il a une 5+,
Donc c'est le moment d'en profiter, je vais faire toutes mes attaques de chien, 8 attaques, là, 3 plus. Là c'est un combat de brute. Hein. Ah, 3 plus, pas très efficace. Coup de pied dans le chien, il en reste en 4 plus. Moins 1 la save, parce que non. J'ai lancé le sort. Ouais, mais moi j'ai pas le... Des voilà. Trucs. C'est du 5. Oh, il perd 2 PV, il lui en reste 2. Ok, bah c'est pas trop mal, ça m'arrange. Je prends l'unité à côté. Ouais. Et elle frappe, bon il y en a un qui frappe dans les clébards, et l'autre qui frappe dans les, dans les boules de pu. Ouais. Allez, petit bouton, hein. Attends, petit bouton, allez. Pam. 3 plus. Ça, c'est les sur c'est les petits coups de boutons, masse. 3 plus. Oh putain, là. Et qu'on met l'envie, on y est. Moins 1, dégâts 2. Donc t'as 5. Ouais. 5 save. 5, bah j'ai plus de save, de toute façon. Moins 1. Ouais, moins 1, mais j'ai 6. Allez, je continue, j'ai d'autres attaques, quand même. J'ai des attaques ouais, de, vas-y, fais toutes tes dessous, attaques. J'ai des attaques dessous en 4 plus. 4 plus raté. Je te fais les. Je te fais le mec dans les clébards. 2 sauvegardes à moins 1. Et les attaques de coups de griffe. Ouh, les clébards, bon, vraiment, c'est bon, bon, on fait déjà des t'as fini ta rangée. Alors, du coup, bam, j'en ai inventé 3 en plus. Combien de PV sur eux au total? Moins 1, dégâts 2. Donc, du coup, combien au total de PV? J'ai plus de save. Pas mal, c'est technique. Hein. J'ai plus de save. Il y en avait 5, j'ai qu'à dire 6. Ouais, c'est vrai. 5, il y en avait 5. Donc, du coup, ça fait 10. Je sais plus, on va dire, tu m'as perdu. Oh là. C'est moi qui ai trouvé la tête. Non, mais je crois que c'est ça, perdu, ça fait mec. 5. Donc, du coup, ça fait 10 FNP à 6 parce que je suis pas entièrement, j'ai eu le temps de mesurer. Ok, j'en réussis 3. Et dans les chiens 2 save à moins 1, dégâts 2. Et 2 save à moins 1. Ça, c'est... Ils ont une 5 plus. Non, ils ont une 5 plus, donc c'est raté. FNP à lancer, pardon. 4 FNP à lancer. Ouais, ok, donc 2 PV pour le moment. Et encore 2 attaques à moins 1, dégâts 1. Donc sur 6. Non, dégâts 1, FNP à 6. Ah, plus de chien. 2, ça fait tout pile les chiens qui meurent. Ça me fait 7 PV à enlever ici. Je vais procéder au retrait des pertes. Et on va passer à une autre activation. Alors, c'est parti. Je vais activer ces petits chiens qui vont venir tout simplement hop, par ici parce que c'est l'unité la plus proche. On va faire nos 8 attaques. Et cette fois en 3 plus qu'on va beaucoup réussir. Wow, j'ai cru que j'avais fait un full. J'allais halluciner. 4 plus. Écoute, franchement, je suis en forme, hein, ça en combien fait 4. Hein. Allez, 4 à 4. 2 PV. 2 PV. Ça se prend les 2 PV. On reprend donc après donc cette petite phase de corps à corps avec les dragons qui ont tapé. Donc en tout, ils ont fait 15 PV. Voilà. Donc, j'ai procédé au retrait des pertes. Déluge d'attaque. Hein. Je suis toujours engagé à noter. Hein, j'ai pas réussi. Je voulais me désengager pour peut-être faire un ralliement à mon tour. C'est pas possible. C'est pas grave. On va donc passer à l'attaque 2. Gros papa ici, donc ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va ping 2-3. Il était à 3, il n'y a pas de souci. Il va poser son gros cul sur le Joe. Et là, il va faire ce que vous attendez tous. C'est 15 attaques. Allez, chaque 5. Et sur 5 plus. Oh là 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 là. Ouais, c'est dommage. Oh là là là. Bon, balance, hein. Peut-être c'est réglé là-dessus. Hein. Il me reste 8 PV. Bon, 1, 2, 3, 4, 5 PV. Il me reste plus que 3 PV. Plus que 3 PV, il y a ces 4 attaques d'épée. Bon. C'est parti. Qui touche sur 4, qui blesse sur 3, ça fait 2 PA moins 2, dégâts 4. 2 PA moins 2, j'ai bouclier donc sur du 6. Ouais. Bon, ouais, ils sont morts, je peux m'arrêter. D'un ici. Hurlement bestial. Impeccable, donc ça c'est fait. Du coup, j'ai gagné la partie, merci d'être venu. Donc, moi j'ai des règles spéciales. Ouais. Je fais tomber la foudre à la fin de la phase. Mm-hmm. Ici, je fais tomber la foudre. Sur un 4 plus, je regagne 1 PV. Ouais. Sur un 4 plus, chaque unité adverse à un pas prend une BM. On commence par eux. Une BM. Ouais. Une BM, mais pas sauf moi, bien sûr. Alors, les chiens sur 5 plus, parce qu'ils sont dans l'aura, non, ils vont prendre une BM. Eux, ils sont toujours pas dans l'aura, donc ça va être sur 6. Sur un 2 plus, je regagne un PV. Faux. Je vais utiliser mon dernier PC pour immune bravoure, ces braves hommes. Très bien, donc du coup, on est à la fin de ce tour. Toi, t'as marqué 5 points, parce qu'en fait, t'as tout fait encore. T'as fait un full là, non? Là, ouais, tu ouais. Contrôles. Là-bas, je pense que tu contrôles, là tu contrôles pas. Du coup, tu marques un point pour un objet, un point parce que tu as deux objets, un point parce que tu contrôles plus que moi, ta tactique de bataille, tu refais 5. Ouais, 10 points. 10 points, et tu n'as pas tué de monstre ni rien. A savoir qu'on ne l'a pas précisé, on l'a dit en off, mais les unités alpha, comme on dit, moi c'est mes 3 gros tapeurs, forcément, Bellacor, le Grand Immonde et le Prince Démon. Et moi, c'est mes 3 unités de 6. Voilà, ces 3-6 qui sont là-bas. Pour l'instant, pas d'engagement particulier, donc ça n'a pas d'impact.
On va donc se retrouver au début de mon tour pour le sort magistral de Kairos. Du douleur. Du poulet. Début de ma phase des héros. En tactique de bataille, je vais prendre une ligne, celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas très rendue. C'est pas très compliqué. En action héroïque, je vais essayer de gagner un PC avec lui, qui servira certainement à la reroll des charges. Si je le gagne, oui. Il a oublié qu'il avait mouvement divisé par deux et charge divisé par deux. Ah oui, c'est vrai, charge divisée par deux. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça devient très loin d'un coup. C'est vrai, surtout quand t'as un mouvement de 4. C'est vrai, du coup, j'ai un mouvement de 2. J'ai mesuré, j'étais à 6, ça fait une charge à 8, reroll. Ouais, du coup, c'est pas forcément la même tambouille. C'est pas grave, je continue. Alors, action héroïque, toi, tu prends ? Moi, j'essaie de générer un PC avec le petit héros là-bas. Ouais. Que j'ai encore loupé. C'est vrai que maintenant que Hervé me rappelle ça, ça mérite réflexion. Alors j'ai plusieurs choix. Déjà, je vais essayer de balancer les portails. Ça va régler la question drastiquement si je rate. Avec Kairos, bien évidemment. Je fais 12. Bon, bah. Donc maintenant, la question se pose. Est-ce que je pose les portails par là-bas, histoire de taper eux qui puissent pas retreat, et donc du coup je m'assure une charge assez safe avec lui. Je pense que c'est pas trop mal de m'assurer une charge un peu safe avec lui, parce que en vérité sinon ça va être compliqué. Non, je vais balancer le portail là, en vrai j'ai trop besoin, c'est pas grave, si je rate ma tactique de bataille ça se jouera un peu plus. Donc le portail par là, c'est parti, le sort signature de Kairos. Je paye 8. 8, bon ça se tente, j'ai une disciple là-bas. Non. Non. Donc je vais infliger 6 BM là-dedans. Est-ce que tu peux me retirer un immonde Minotaur, s'il te plaît ? Super. Donc ce que je vais faire, c'est que je dois le placer à 3 du Minotaur. Bon, je vais perfectionner mon placement, mais grosso modo, je vais le mettre le plus éloigné possible pour qu'en fait, il n'y a qu'un Minotaur qui puisse peel-in et taper dessus tout en étant engagé à plus de 3. Vous le verrez pendant la phase de mouvement. Kairos va balancer son dernier sort pour que le buveur de sang puisse taper si jamais il meurt. C'est parti. 12, bon, pas de souci, hein. Donc il pourra taper s'il crève, et ça m'arrange. Ensuite, je vais balancer un bouclier mystique avec Papa Nurgle sur lui-même. Je vais faire 4, ça marche pas. Je vais faire Kairos va balancer son sort signature sur eux, le pack de 6 là-bas, qui va faire moins un hit. C'est parti. Je pense à disciple, 5. Ça ne passe pas. Bon, il me reste 3 disciples. Ouais, je vais faire un trait magique avec Papa Nurgle. 12. Est-ce que tu veux tenter de dissiper ? Non, il me reste 3 disciples. Ok, c'est parti, phase de mouvement terminée. J'ai eu la chance de pouvoir invoquer des pinks avec Kairos. J'en suis ravi pour lui protéger son petit cul du char, parce qu'une fois, pas deux. J'ai avancé le buveur de sang juste ici. Voilà, donc il a 4, 2, 3 et 3. Globalement, il va taper. J'ai réajusté mon sort, comme je disais, j'allais le faire parce que j'avais pas mes deux mains de libre. Donc, grosso modo, j'ai engagé lui et un seul ici. Je me suis mis assez loin pour éviter que deux Minotaurs me tapent dessus, du moins normalement. Là, ici, j'ai avancé de 2 parce que j'avais une charge à 12. Donc, en fait, ça pouvait pas être pire. En fait. Donc, j'ai avancé de 2. Il a fait son jet de redéploy, il a fait 6. Donc voilà, mon plan en réalité c'était bien évidemment d'avancer lui et ensuite d'avancer Bel Accor pour quand même tenter d'envoyer quelque chose. Maintenant, ça fait quand même une belle charge et je réfléchirai à deux fois avant d'envoyer Bel Accor parce que ça reste quand même une ressource importante, sachant que là j'ai complètement lâché ce flanc là, j'ai plus rien pour le gérer, donc il va falloir à un moment donné que je réfléchisse comment je vais faire. On est parti pour une phase de tir avec ces pinks-là dans le petit monsieur à qui il reste 2 PV ici. Donc ça va être 15 tirs. Bon, adieu. Non, pas forcément, c'est en 4 plus 5 plus. Il n'y a pas de PA. 5 plus, ça t'en fait 3. 3 à combien ? 100 PA. Alors là, si je les loupe, regardez la tête, il va pas être heureux. Parce qu'il y a un truc qu'il a oublié. Oh mon dieu, il m'a tué! Oh là là! Sur un 2+. Ouais, un enfant du chaos. Mais y a pas de souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. Montre-nous ton plan. Il est de fixer le grand le buveur. Ouais, je vais. Ah oui, d'accord, oui. Easy, au plus près.
Alors, c'est à 6, en fait, c'est ça? Ouais, pardon, il faut... je suis un peu loin, là. C'est qu'il charge pas, l'objectif. Ouais, bah du coup, je pourrais pas aller là, quoi. Je pourrais aller de l'autre côté. Bon. Bon, t'as... Ouais, mais au moins... Il y a un truc qui est rossé. Et puis, même si j'active, peut-être que je grappillerai des petits paradis en kéros. Ouais, bien sûr, Ça se tient. Super chiant de jouer contre les bots. Alors... C'est mon petit monde qui va tirer... Alors, il peut pas tirer dans les dragons, mais il va tirer dans les teammates. Il tire à combien? À 7 pas. Ouais, c'est bon. C'est donc c'est bon, c'est des 6 tirs. Ok, oups. Tu vas pas être content. C'est 5, du combien? 5 tirs. C'est du 3 plus 2 plus PA moins 3 dégâts 2. Moins, PA moins 3? Ouais, PA moins 3. C'est ça, ce que je me dis. Le plus 1. 3 plus. Mais quand même, la boule de pu qu'il envoie là. 2 plus. Ouais. Ah, bon. Ça se rattrape, ça s'équilibre. PA moins 3 dégâts 2. Dégâts 2, je perds 6 PV. 6 PV, s'il te plaît, monsieur. Bon, bah écoute, on va passer à la phase de charge. Allez, celle-là, elle est importante. Hein. Elle est importante. On charge à 6 avec Bellacor. Je vais d'abord à faire avec elle, si tu veux bien, le suspense. Je crois que c'est 12. Oui, c'est de 12. Ok. Bellacor. 7, c'est bon. 7. Action de monstre. Alors, Bellacor va avoir besoin de punch. Donc, du coup, sachant que tu as une save à combien, toi, sur tes j'ai une save à 4. Une save à 4, ça serait peut-être opportun de crier dessus pour pas que tu puisses te l'améliorer. Donc je vais essayer de te crier dessus sur 3+. Oui. Ça passe, heureusement. Ça passe, c'est assez sympathique. Kéros, ma foi, il va piétiner sur ton fucking... Ouais, j'ai compris, sur un plus, ça va. Sur un fucking truc, là, de plus des 3 BM. Il reste 2 PV, ça c'est pas mal. Et le prince démon... Enfin, le prince démon, le gros papa, bah lui, en vérité, il a rien à faire de particulier puisque j'ai plus d'action de monstre faisable. Première activation, on a beaucoup discuté et Hervé m'a spécifié que, comme je n'avais pas chargé et que s'il activait lui en premier, il allait piline, s'éloigner potentiellement à plus de 3 de lui, de mon grand timon, de mon buveur de sang, et que comme mon buveur de sang n'avait pas chargé et qu'il n'était avant son piline, parce que là, je l'ai effectué, à 3 de personnes, il n'aurait pas pu taper. Donc, au revoir les BM de zone, au revoir tout. Et c'est vrai que c'était un peu embêtant. À un moment donné, tu gagnes comme un grand prince ou tu gagnes pas. C'est quoi. Ça. Donc, du coup, grand prince, il me l'a spécifié parce que c'est vrai que je partais peut-être sur l'activation de lui, j'avais pas vu ce petit tricks. Et les joueurs BOC ont les yeux partout. Et c'est vrai que des fois, il faut les écouter. Du coup, je vais taper. Est-ce que le destin va te récompenser sachant que je vais claquer un PC pour mettre plus 1, bien évidemment. Je vais être en 3+. 2 plus sur 5 attaques. Allez, 3 plus déjà. Ok, c'est pas mal. Ah, pas de 6 pour blesser. Alors là, allez, là c'est les 6 pour blesser. C'est le pire truc pour les box. Oh, oui, il m'a écouté. Triple 1. Donc triple j'étais 1. En 2 plus hein, quand même. Je suis embêté. Non, allez, jette pour blesser maintenant. Quoi, tu non, je suis embêté. Non, est-ce que je me tâte à le. Te tâte pas trop quand même. Ça va faire 4 BM. Ouais, moi je vais le faire. Je vais tout simplement en fait changer avec Kairos un dé 1-1 en gros pour le passer en 6. Comme ça, je vais faire 6 BM en zone et je vais continuer. 6 BM de zone? Non, c'est comment? 4 BM. 4 BM de zone, pardon. Et oh. Ici, je vais te laisser faire tes 2 sèves à PA moins 2 dégâts des 6. Ça pique. Hein. Oh, je suis à 6. D'accord, donc des 6 dégâts, c'est le moment de faire pas mal. 4, c'est pas mal. Donc 4 PV dans un rayon de. Bon, lui, il saute. Lui, il saute, ouais. Lui, il saute. Bon. Ouais. Et là, ça fait là, 8 ça PV fait dans ce pack-là. 4. Hein, tu fais 8. J'enlève donc 4 ici. Pardon, j'enlève lui. De toute façon, t'es obligé d'enlever lui, ouais. 4. Et il me reste combien à enlever 5. 4, pardon. T'actives ici pour le fight. Le fight contre Bellacor. Donc, c'est du 3+. Wouah. 3+ pour blesser à coup de masse. 2 sauvegardes à moins 1, mais tu t'en fous. Ouais, 2 sauvegardes à 4. Tu perds 2. On rajoute les attaques de griffes en 4 plus 4 plus. De poney, mais il est un poney. Petit poney, une sauvegarde, dégâts 1. Donc 4 plus. 2 PV. 2 FNP quand même à 6. Ouais, vas-y. Non. 2, il lui en reste. Il en a 14, lui. Hein. Ouais, il en a 14, il a perdu 2 PV. Il commence à le gratter un peu, lui. Hein. Activation déchet ici pour enlever le dernier PV. Donc ça va faire 8 attaques en 4 plus. En 3 plus, pardon. Ouais, je change quand ça m'arrange un petit peu. Je passe de 3 à 4. Et là, c'est 4 plus. Donc, ça va t'en faire 3. Allez, 3. 3 à 4.
Oh putain, punaise! Oh pardon, c'est venu du fin fond du sud, ça. Occitanie libre. Ok, pas de soucis. Punaise. Du coup, activation, à toi d'activer. Allez, j'en ai qu'un. Bon, ouais. Sur un coup, j'aimerais qu'il tue. Donc, je lui mets plus un pour toucher. Il a que deux attaques. Mmh. Alors attends, moi je vais mesurer. Il a combien de PA? Moins 3. Ok, non, c'est bon. C'est parti. En 3 plus. Ah bon, ben. Deux attaques supplémentaires en 3 plus, les coups de corne. 4 plus, mais moi des double 6. Bon, t'as une sauvegarde à moins 1. Donc j'ai pas de sauvegarde. Si, pardon. À 6. 6. Bon, ouais, bah, c'est... voilà. C'était écrit. Donc... Et ben, il te reste Bellacor, l'enfant du chaos. Non. Ouais, en fait, je vais activer Bellacor d'abord. Ouais, vas-y. Parce que, voilà, Bellacor. Donc, c'est 8 attaques qui va être en 3+, 3+, PA, moins 2, dégâts 2. C'est parti, je t'ai crié dessus, donc je peux pas mettre plus un C. 3+, on l'a réussi, s'il vous plaît, celle-là, oui. 3+, on l'a réussi également, celle-là. Ouais, c'est pas mal. Moins ça combien, t'en fait moins 5, PA, moins, moins 2. Moins 2. Allez, les 6, je les veux. Ah, je fais quand même... 1, 6, donc je perds 6 PV. T'as lancé 4 dés, t'en reste un encore. C'est bon, j'ai tenté. Ouais, j'ai fait une. Oh, c'est pas grave. T'aurais pas dû. Ouais. Ok, donc j'ai l'attaque de ouais. Bouche, si je m'abuse. Ouais. Une attaque de bouche en 3+. 3+, non. Et une attaque de queue qui va être en 2+. Donc j'ai fait 4, 2+ également, il me semble, de mémoire. De toute façon, j'ai fait 5 PA, moins 3 dégâts. Moins 3, bah non, moins 3, ouais, bah, dégâts 2. Donc ça fait 8 PV dans le pack. Un dragon ogre à droite, un dragon ogre à gauche, sur ouais. Les clébards. Alors, en je, tiens, vais... je te mets là. En ouais. 3+. Je vais mettre plus un save. Ouais, ça sur le hein. Bon, les chiens, moins 1. 3 sauvegardes à moins 1, dégâts 2. Sur, oui, ok. Bon, dégâts 2. 6. 6 dégâts, 6 FNP. C'est pas une deuxième ligne d'attaque en cas où. Eux, ils sont morts. Ils sont morts, les chiens. Le buveur, en 3+. 3+. Moins 1 qui s'annule parce que t'as mis plus 1. Ouais, donc 4+. Ok. Dégâts 2. Dégâts 2. Sur 6. 1 PV. 2 attaques de griffes en 4+. 4+. Moins 1. Une à moins 1. Une à dégâts 1. Ah bah, 1 PV. Il perd 1 PV. Le buveur, il aime bien ses angles, hein, bizarrement. Là, il te reste l'enfant du chaos avec ses 2d6 attaques. Ouais, il me reste 4... l'enfant du chaos. 2d6 attaques, c'est parti. Ok, 4+, 4+. Ouais, donc ça fait 7 attaques en 4+, 4+. Hervé connaît mieux les enfants du chaos. Ouais, ouais, je c'est ça qu'il me dicte. 4+. T'es sûr que c'était pas 3+, tu veux pas me dicter un 3+. On va faire un double. Ah bah, ça t'en fait 3. 2 PV et... Il meurt. Et un minotaure de puce. Début important. Bravo. Celui-là. Bravo. Et début de la phase de bravoure, je vais utiliser mon trait magique que j'avais mis avec lui pour mettre un petit PV de puce là-dedans, histoire de le tuer. Ils ont plus 1 à la bravoure par unité ennemie dans rayon 12. Donc eux, je suis à plus 1, plus 2. Voilà, plus 2, j'ai perdu dans la phase 3 minutes. Non, tu as perdu avant celui-là. Ah oui. Lance un des 6. Ouais, ça c'est bon. Lui, 3 important, j'utilise mon PC. Ouais. Ici, je laisse un des 6. Voilà, c'était écrit. Donc du coup, j'ai deux objets. Donc celui du milieu, Papa Nurgle est dessus, et celui-ci. Ce qui va donc me faire marquer 3 points de primaire, on va dire ça comme ça. Et la tactique de bataille, je la rate honteusement. Donc malheureusement, pas de tactique de bataille. On va donc faire le jet d'init. Très important. Quoi qu'il arrive, qu'importe la situation, je suis content. Vas-y. Que vas-y. Tu vas voir. Vas-y, moi aussi, je suis content. Je me suis préparé. T'as fait un. Ah, encore double. Je te laisse enlever un objectif. Donc tu prends le T1. Oh, bien sûr. Ok. Bah écoute, on va... Te laisser quand même réfléchir un petit peu parce que là la bataille est assez intense. Il prend le T1. Moi je vais enlever un objet. On se retrouve au début du troisième tour côté Bok. C'est parti, début de ton T3. À savoir qu'on a fait les petits jets, voilà, des petits dragons ogres ici et là. À part regagner un petit PV. La foudre tombe du ciel. La foudre n'a rien fait de particulier. Alors moi déjà, je vais énoncer tout de suite que je vais maudire cette unité avec Bellacor. Voilà, je pense que c'est le moment, on est au T3, c'est important, c'est maintenant que ça va se tourner. Qu'est-ce que tu fais en action héroïque? En tactique de bataille, tactique, je vais tuer cette ligne, parce que je pense qu'il ne reste plus beaucoup de lignes, et au fur et à mesure, elles fondent comme neige. Mm-hmm. Je vais faire, un peu chaud, mais il faut le faire, une heure de gloire ici. Un PC sur 4+, non.
pas de PC. Je vais commencer à profiter de mes mouvements gratos. J'en ai pas beaucoup, j'en ai un ici, je lance 4. Ils vont partir vers là-bas, je le ferai après. Ouais. Je vais choisir, comme c'est en début de phase, il va se scarifier. Allez. Ah oui, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que là, du coup, ça te fait plus 4 points d'attaque. Ça me fait 4 points, je repasse à 6. Alors moi, juste, je vais faire un petit ralliement sur eux. Voilà, pour un PC, ça mange pas de pain, ça fait 7 dés sur 6. Oui, pardon, moi aussi j'ai des ralliements. J'ai un ralliement ici. Ah, je mets du suspense. Voilà. Ouais. Il l'a récupéré. On continue. Je jette sur lui pour pouvoir... La même chose que la dernière voilà, fois. Diviser son mouvement. Le maudire. Oui, le ouais. Maudire quand on a 4 de mouvement, qu'on passe à 2. Ouais, c'est un peu violent. Ouh, raté. C'est... Non, c'est raté. Ouais, c'est raté. Je lance son deuxième sort. Moins 1 à la reine. Ouais. Bon, là, ça sert pas trop à rien parce que lui, il est immunisé. Mais bon, sur le long terme, on sait jamais. À 18, je le laisse sur eux. 7. Et tu le dissipes. Ouais, je vais tenter de dissiper. Kero, je pense qu'il est à portée. J'ai l'impression. Ça fait 12. J'ai encore un sort là-bas. Je relance pour blesser. Moins 1 à la save. Je le lance sur eux. Ouais. Raté. Je lance mon sort pour déplacer cette unité. Ah oui. Viens à moi. Ouais, bon, je vais essayer de le Double 6. Ah, je peux pas. Viens là, je lance 2 dés. Et ça fait plaisir parce que c'est moi qui déplace les figurines. C'est marqué. Oh, je vais les déplacer de 7 vers les plus proches, les rapprocher de 3. Tout ça pour me faire passer par derrière. Donc 3. Ouais, c'est extrêmement bien vu. Je te mets la presse ou pas? Dès le départ? Ouais, vas-y, vas-y. J'annonce. Je vais tuer ton grand immonde. Bah, si t'es aussi sûr de toi, prends la stratégie, tue le général. Non, parce que c'est comme ça. Fin de phase de mouvement. Voilà, tout commence à se centraliser sur le milieu, sur le grand immonde. Hervé a compris qu'il ne le vaincrait pas si ce n'est pas à ce tour-ci. Il a avancé ici, donc il a fait. Il a bien avancé quand même. Donc t'étais à 5, j'ai fait un roi d'épaule de 2. C'est une charge à 7 pour eux. C'est une charge à 7 pour eux. Tout le monde a un peu avancé. Tout le monde s'est un petit peu rapproché. Donc on va passer. Directement à la phase de charge. Allez, c'est parti. Alors, ah oui. Non, il y a une phase de tir avant. Ah oui, c'est vrai. Une cocatrice. Ah merde, j'ai essayé de... Allez, c'est un petit 4 plus qui fait toujours sur plaisir. Sur qui? Je me suis mis à 10. Ouais. Cassé. Suspense. Il touche. Ouais. J'aimerais refaire un 6. Pourquoi ça fait quoi de refaire un 6? C'est un décibème. Ah oui, d'accord. Ouais, je fais 2, je trouve. Fais 2. 2 FNP à 5. 2 PV. Ça commence. Il lui reste plus que 16 PV. Phase de charge, c'est parti. Je commence par la toute petite ici. Mmh. 8. Ouais, on garde. Je vais les mettre ici, je les bougerai juste après, d'accord? Ouais, on est d'accord. De toute façon, on voit très bien ce qui va se passer. Je vais saturer, il y en aura quand même au contact de B, d'accord? C'est à quel moment que tu lances le dé pour eux? C'est le début de la phase de charge. Merci, on va le lancer, on l'a passé un peu vite. Oh, non. Alors là, sur 2 plus 1, 2, 3 BM. Alors, pour l'instant, j'ai lancé les dés, j'ai fait 3 fois hein, pour maudire. J'espère qu'à la phase de combat, je vais le maudire. C'est pour toutes les fois. Ah ouais, alors là. Ah ouais, parce que là, ça serait. Eh ben, une charge, ils ont plus 1 à la charge. Parce que sur des dés, voilà. Je vais profiter de ça. Ouais, puisqu'ils font de l'impact à la charge, c'est ça? Oui. Très bien. Mais tu sais, je vais beaucoup leur taper dessus. Est-ce que tu es certain de vouloir faire ça? Oui, oui. Ils vont prendre excessivement cher. Est-ce que tu es sûr à 200%? J'aimerais pas que tu sois déçu. Alors, sur 2+, 1 des 3 BM. Sur 2+, 1 des 3 BM. C'est reparti, 3 BM. Regardez-le. Bon, on a fait une PA 5. Ok, allez. Que 2 PV. Tranquille. Oui, bon, 2+2, ça fait 4. Ouais, on a perdu 4 PV. On est très, très serein. Ici, un peu plus loin, j'ai une charge quand même un peu compliquée à 9. Non, je vais quand même continuer dans ma... Ouais, vaut mieux conserver. Donc, c'est une charge à 7. Allez, rate-toi. Ok, je vais les mettre là, il frappe sur deux rangs. Charge à 3,5. Ouais. Ouais, on reviendra après, je pense que c'est 3 ou 4. Ok. Ouais, c'est bon. Bon. Lui, je le poserai là. Et les autres Minotaurs, est-ce que tu charges? Eh. Ouais. Oh punaise. Attention sur 4+. Quand même. Ouais, quand même. Un des 3 BM. Un peu de justice. Ok. Ok, bah écoute, et puis, pas de soucis. Hein. Ouais, je jette les dés. Ouais, la cocatrix. Encore que je me fasse un petit 12. Ouais. Ouais, j'y suis. Ah non, mais j'ai encore d'autres charges ici. Hein. Ouais, j'ai trop de talent. Vas-y. Le char relançable. Bon, c'est bon. On a pas besoin de relancer. On a compris. Il gênera pas le mouvement. Ouais, on le fera après. Ouais. Boum, il est bon. Boum,
Il est bon, je crois que j'ai pas loupé une charge. Ok, alors on va faire tous les mouvements de charge parce qu'il y en a beaucoup et on se retrouve à la fin des mouvements de charge pour le début, enfin la fin déjà de la phase de charge et début de la phase de corps à corps. Fin de la phase de charge. My God. C'est quoi cette merde? On comprend plus rien. Envoyé au contact. Je vous mets à la zénithale deux secondes. Il était tout seul ici. Les mecs, ils sont sans jambes. Il se baladait et là, ruée de boc sur lui. Action de monstre. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce fouillis? T'as un monstre qui est là. Mon action de monstre, donc jette un dé et je vais voir ce qui se passe. Ouais. Si je fais un 6, je l'ai jamais fait le 6. Tu le feras toujours pas. Oh putain! Alors je l'ai jamais fait, mais il rugit tellement fort. Je sais pas si c'est parce que lui il y croyait ou parce que moi je voulais vraiment pas qu'il y arrive que du coup il réussisse. Je prends 3 points d'invoque pour tout à l'heure. Allez, écoute, tu retombes à 4. Bah, quoi qu'il arrive, je pense que j'aurai peut-être une deuxième cocatrice. Je pense que je vais. Ouais, je vais faire un duel de monstres sur son mec là. Ah quoi, je t'en prie de... Ah, et donc, du coup, bel accord, par contre, aussi, lui, il va piétiner sur tes dragons, là-bas. Il va piétiner, oui, il va piétiner. Oui. Oui. Des 3, 1. Un PV. Donc là, les dragons vont taper dedans, mais avant, on va regarder si l'unité de Minotaure, ouais, qui est là-bas, va être maudite. C'est sur 3+, on y croit. Oui. Heureusement. Non, même pas que... Heureusement, putain. Début. Début de la phase de combat, je vais activer. Alors là, je vous explique dans ma tête, je suis en mode optimisation, j'ai calculé tous les trucs, il faut que ça passe. Je brûle un PC pour que mon gros ici puisse taper en full profil. Bien. Voilà. Ouais. J'essaie d'optimiser le plus et je pense qu'on va passer à l'activation des dragons ogres. Les dragons ogres qui ont moins 2 grâce à la pierre de Arve. Je l'ai un peu libéré, il a pété maintenant. J'ai plus trop envie là, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Donc là, j'ai 24 attaques. Et ben, j'utilise mon PC, je vais leur mettre plus 1 pour toucher. Parce que là, je pense qu'il faut. J'aimerais, s'il ne meurt pas ce tour-là, au tour prochain. Même si le buveur, il vient m'aider. En fait, c'est un pari un peu risqué, si vous voulez. Je vais compter sur mes FNP parce que j'ai plus de save. Il faut que je survive au moins un PV pour taper. Allez, il m'en manque 6. 8. Et je pourrais faire quelque chose d'incroyable. T'es foncé. 2+. Ah, il y a des 1. Ouais, vas-y. Là, je... Maintenant, plein de 2 et plein de 1, s'il te plaît. On commence pour la première vague de jet de sauvegarde. Excuse-moi. T'as pas de jet de sauvegarde. Tu as 8 invules. 8 invules, ok. On va faire tout... D'un coup, ouais. Allez. 2+. 3+. 8, nous sommes à 11. Après, t'auras le droit à une sauvegarde d'armure sur le prochain attaque, donc je préfère te faire. Ouais, d'accord. Il en reste plus beaucoup des attaques. Il en reste 6. Ouais, ça devrait aller. Ouais, si tu veux, je te les fais comme ça. Ça devrait passer. Non, attends, on va faire les invus. Donc 5+, allez. 4. 3, 4, c'est pas mal. Donc ça me fait 7 PV. 7 PV, il y en a déjà perdu 4. 7 et 15, 11. Il meurt. Reste 7 P. Il meurt. Non, normalement, si je rate plus, il me reste un P. Allez. Bon, là, c'est tout petit, c'est du 3+. C'est les derniers. Les 4+, les grattages de pieds. Ah non, il a... C'est bon, c'est raté. J'ai okay. Survécu, c'est bon. T'as survécu à cette première vague. T'en restes plus que... 7. Redis-moi. 7. Ok, 7. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le grand timon tout de suite. Parce que on ne sait jamais. Et là, il faut que je sois ferme dans ma répartition. Alors, ferme, mais courtois. Oui, je vais être très très ferme. Je vais mettre 3 attaques. Il te reste plus que 7 PV dans ton... Il me reste 7 PV. Ouais. Moi, je vais mettre la grande épée. Et 2 attaques de fouet, je ne sais plus comment ça s'appelle, dessus. Et le reste, ça va faire 3 attaques de fouet que je vais mettre dans tes 3 minotaures qui sont là. D'accord. Ok. Non, je vais pas les mettre dans les 3 minotaures, pardon. Je vais les mettre dans ceux-là. D'accord. J'ai dégâts 3. Et les 15 attaques pour les BM, je vais les mettre dans les minotaures parce que j'ai besoin de les sortir. Donc c'est parti. Je vais commencer d'abord avec eux. Donc c'est les attaques des fouets. Alors, c'est pas vraiment un fouet, c'est le truc. J'ai plus le nom en tête, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est en 2+. Un truc sale. Ouais, c'est un truc sale. Quoi qu'il arrive, c'est sale. C'est en 3+ parce que j'ai pas le plus 1 parce que c'est pas le monstre que je veux. T'as plus 1 parce qu'ils sont ivres. Ah, bah, ça tombe bien. 3+, donc ça t'en fait 2 PA moins 1. Moins 1, j'ai une sauvegarde de 5 plus 1 quand, avec leur bouclier. Donc c'est une sauvegarde à 5. Dégâts. 6.
Dégâts 6. 6 PV. 6 PV au total. Donc ça, c'est pas mal. Ça commence à enlever. Ensuite, on se rappelle, je vais garder les 15 attaques pour la fin. Sur ton chef, où là j'avais mis le plus 1, donc je vais être sur 3 plus sur les grosses attaques d'épée. Bon, j'en passe 2, c'est pas mal. 3 plus, 2 PA, moins 2, dégâts 4. Sur mon chef. Ouais, ton gros chef. Bon, je pense qu'il va partir en brave. Non, il est bien. 3 plus, moins 2, 5 plus, hors de gloire. Hein. Bam bam. Parade, C'était pas ce qui était prévu. Ensuite, deux attaques du coup sur ton chef encore. Donc c'est les deux restantes en 2 plus celle-là. Pourquoi 2 plus? Ah oui, mais combat de monstre. Ouais, combat de monstre. Et c'était du 3 plus. Donc sur le chef, c'est pas bon. Bon, c'était la meilleure répartition que je pouvais faire, je pense, de toute façon. Alors là, je prépare la batte. Hein. Ouais, bah attends, moi aussi je prépare la batte pour tes minotaures. Oui, prépare la batte. Allez, c'est parti. Là, il n'y a que 10. Je vais rajouter 5D après. On est déjà sur 2D3 BM plus 5D. Ah, d'accord. Donc les 5D d'après ont été beaucoup mieux. Donc ça va être en BM sur tes minotaures. Oula, ah oui, donc ça fait beaucoup. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, ben ils ont 12. Ah, quand même, hein. Donc, j'ai tué 3 Minotaurs, j'ai tué 3 mecs là, et je me suis un peu cut sur le chef, mais honnêtement, c'est pas mal. Le coup des le coup des BM, ça pique. Ouais, le coup des BM, c'est pas mal. Chérie, ça va trancher. Le chef se venge sur le grand immonde. Il a 3 attaques. En 3 plus, 2 plus parce qu'il est hors de gloire, moins 3, dégâts 3. C'est pas un G, c'est pas un G. 2 plus, ou moins 3. Dégâts 3. Pour l'instant, j'ai 6 PV perdus. Ah, il veut les faire tous d'un coup. Ah, ouais, il a 2 attaques en 3 plus, 2 plus, moins 3, parce que j'ai encore moins 2. C'est dégâts combien? Dégâts 1. Donc ça fait 8 pour le moment. 1 des 3 attaques, 2 attaques en 4 plus, 2 plus. C'était le plus dur à passer. Moins 2 seulement, excuse-moi. Je suis qu'en moins 2. Bon, je vais faire les 2 moins 2, c'est sur 6. Ouais, tu me diras les dégâts derrière. Je veux regarder mon livre parce que là c'est un petit peu. Dégâts 1. Dégâts 1. Donc je suis à 10. Et t'as fini, c'est bon? Pour lui. Donc, faut que je réussisse 4 FNP à 5 plus, sinon il meurt. Ah, ça a été pas mal. Oh putain, j'en réussis le même cochon. 5. J'en réussis, je perds 5 PV. Bon, 5. Il me reste 2 PV. C'est parti, activation de Bellacor. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit attaque avec sa queue qui a range 3 sur eux. Parce que voilà, je veux vivre. Donc je vais tenter et tout le reste va partir dans les Dragon Rogue. La petite attaque déjà qui est en 2 plus 2 plus. On vient des forêts sombres, mec. On a peur de rien. On avance. PA-3, s'il te plaît. On avance. Ouais, PA-3, quoi, dégâts 2. Regarde, avec insolence. Combien de PV? Dégâts 2. Donc il y a. Il tombe. Non, ici. Ah, pardon. C'est pas pareil. Dégâts 2, il en tue un. Il reste que le champion le plus cher de France. Maintenant, Bellacor, il va mettre ses coups de. Cette figurine a coûté 70€. On vous expliquera la blague. On va pas perdre. Non, parce que là, les mecs, ils vont dire, mais ils sont malades. On vous expliquera la blague. Je ferai. On vous l'expliquera, je vous le promets. Je vous la garde en réserve, faut qu'on vous garde un petit peu des conneries à vous raconter. Donc, du coup, le petit coup de gueule avec Bellacor sur les. Comment ça s'appelle? Dragon Ogre. Donc 3 plus. Oui, 3 plus. Non. Et ensuite, c'est 8 attaques d'épée. L'épée des sombres. Et là, c'est parti, c'est du 3 plus 3 plus. Ok, ça t'en fait 3 PA moins 2 dégâts 2. Sur qui? Sur eux. Moins 2? Ouais. Dégâts 2, 3. Donc il y a 6 PV à faire, ça tombe bien. 4. 4 PV, donc il y a un dragon rock qui va rester avec 2 PV. C'est donc pas... là, j'enlève 2 PV. Ouais. Et encore 2. Et encore 2. Du coup, ça fait. Il en reste 3. Ouais, 3. C'est moi qui ai mal compté en plus. Poup, poup, poup. Allez. C'est vrai qu'on l'avait oublié. Lui. Non, moi, je l'ai pas oublié. Ouais, mais lui, il est pas très. Si. Vous allez voir, à manger des au début de son tour, quand je vais faire mon ralliement pour gagner 3 œuvres. Mais je pouvais pas l'esquiver de toute façon. Oui, voilà. Ah là là. Faire les 6 après. Les 6, c'est les BM en bonus. Bon. Moins. Attendez, moins 4. Ouais. Dégâts 3. Oui, je vends. Bah alors, quand je pète une unité, je regagne des points de vie, mais on s'en fout. Et ils s'en foutent. Tu as des gores, 10 gores, un charman avec 5 points de vie et un char. Ouais, moi je vais taper les gores. Bon, allez, c'est parti. Ok, donc je crois que c'est du 4 plus. C'est ça. Non, c'est du 4 plus 3 plus. Ouais, je pense. Allez, même aussi.
Ok, ouais, ils ont plus dans la save parce qu'ils ont un bouclier. Je rate. 2 PV. 2 PV. Un gore. Non. Hop, bah c'est pas des sangs. Ah oui, d'accord, c'est pas des sangs. Ok, et ben là, c'est des petits corps à corps. Ah oui, des corps à corps importants. Là, pour l'instant, t'as plus rien qui frappe. Non. Allez. Non. Il y a lui ici. Ouais. Le champion le plus cher de France. Est-ce qu'il va faire bon. Ses 2 PV? Alors, explique-moi. Allez, je suis obligé. Allez. J'ai fait une erreur un jour. J'ai commandé. Je me suis fait avoir comme un enfant. Vous voyez, quand vous êtes sur Facebook ou autre, il y a des sociétés qui vous vendent des figurines que vous pouvez fabriquer par vous-même et en modifier pour les jeux de rôle, héros-rôle, comment est-ce ? Je l'ai commandé, je l'ai modifié, j'étais trop heureux. Je voulais faire un gros Minotaur, un très gros Minotaur. Un très gros Minotaur, d'accord ? Il devait être de cette taille. Et ben quand je l'ai reçu, il ne faisait pas du tout la taille et j'ai pas eu le droit de recours. Finalité, bon, je l'ai quand même payé 70 balles. Et voilà. Oui, parce que Hervé se disait 70 balles pour une fille de la taille de Kairos. Voilà. Ok. Il devait faire la taille de Kragnos. De Kragnos avant qu'il sorte, voilà. Merci. Donc si. S'il peut tuer un grand immonde, ça compenserait pas mal les 75 euros de la fille. Allez. Il a 3 attaques, plus 1 pour toucher parce qu'il est ivre. Il touche. Ok. Il blesse sur du 4+, mais comme il a chargé, il relance pour blesser. Oh le mec, et il est chaud. Il est chaud. Pour toutes les fois où tu t'es moqué. Et en plus, il a moins 2 parce qu'il a pierre de hard. 6. Attends, c'est à 6 quand même. Oh là là, il va le tuer. 3 PV, ça. Ah ouais, c'est trop beau. Oui, c'est bon, il va survivre à un PV au moins. Et l'histoire, j'étais piétiné avec des sabots de son tigor. Non, tu m'as tué avant avec la hache. C'est ça que l'histoire va retenir. Bah, j'ai pas fini, j'ai encore des attaques, mais là, on va aller faire... Ouais, on va faire tout en off, parce que là, c'est le bordel. On va faire tout en off, on va ranger un petit peu tout ça, et on se retrouve au début de la phase de bravoure. Fin de la phase de combat. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que Hervé a tout mis dessus, mais il s'est cut. Il a tué que 2 pauvres plaquebearers, donc du coup, je peux pas rater mon test de morale. Donc, du coup, je survis, et du coup, comme c'était sa tactique de bataille, eh bien, il ne va pas la marquer. Ensuite, ici, on a compté, du coup, il a 5 figurines. Il était déjà à moi, et sachant que je compte pour 5, il ne le reprend pas. Bien évidemment, il reprend celui du milieu. Pour ce qu'il y a eu d'autres, il y a eu des petites activations, des éclairs qui sont tombés. J'ai perdu quelques PV en plus. Hervé en a regagné quelques ici et là. Et les chiens étaient engagés, donc ils ont également tapé. Est-ce que tu as des tests de morale à faire de ton côté? Ici, ils ont perdu 2 gars. Oui, je vais en servir. 3, ça fait 5. 5 c'est bon. Ici, ils n'en ont perdu qu'un. Ouais. Je ne sais jamais. Ok. Voilà. Je préfère prendre la fuite, dit-il. Ici aussi. J'ai oublié. On a perdu 4. Et 4, ça fait 8. Ils préfèrent prendre la fuite. Ok, donc début de ma phase des héros. Comme tactique de bataille, je vais prendre monstre accapareur sur cet objet-là. Oula. Cet objet-ci avec Kairos. Action héroïque. Je vais essayer de regagner des PV avec Kairos. On sait jamais, peut-être qu'il en aura besoin vers la fin de la partie. Oui. Les 3. Je vous dis une bêtise, je vais essayer de gagner un PC pardon, avec lui, parce que sinon j'en ai pas du tout. Donc ça va être sur 4+. Non. 2+, quand on génère les morts. Donc c'est bon. C'est vrai. Et ben moi, j'essaie de générer un PC pour. Ouais. Pour lui là-bas. C'est quand même la 4e fois que je le tente, et la 4e fois que j'échoue. Je prends mon seul PC et j'essaie de générer les Minotaurs. Sur 4+, j'en ai un. Du coup, il va remettre un Minotaur ici. Oui. Très bien. Et écoutez, j'ai envie de dire fantastique. Il va balancer le sort sur le buveur de sang. J'ai 2 disciples ici. S'il meurt, il pourra taper. 4 disciples. Allez, c'est parti. Bon, 10. Je fais 10. Je prends la disciple de lui. Ouais, vas-y. Ça coûte rien. Ça aurait pu. Donc, si le buveur de sang meurt, il pourra taper. C'est quand même pas trop mal. Ensuite, je vais balancer les miroirs. Je fais 10. Je prends une disciple de lui. 9. C'est pas dissipé. Ça passe. Je vais donc placer mes petits miroirs. Hop. Globalement, ça va être là et là. Ok. Et je vais essayer de lancer mon sort signature. C'est parti. Petit double 1. Oh, 8. Ça passe tout juste. Oh non, je ne dissipe pas. Tu le dissipes. Il ne me reste plus qu'une disciple ici. Ouais, bah, de toute façon, après, j'ai plus que les sorts avec Bellacor. Je vais du coup choisir 7 unités de Minotaur en 6 PV. Et ça apparaît autour de la figurine que j'ai tuée ou... Ça a 3 pas de la figurine que tu as tuée. Oh mon dieu. Ouais, je pense que c'est un choix extrêmement judicieux.
Pourquoi pas, bah, tu peux le mettre là si tu veux. Ouais. Je vais mesurer, je vais le placer après. Ensuite, Bellacor. Bellacor, il va balancer son sort sur eux, sur les dragons ogres, qui fait moins un hit ou moins un blesse, je ne sais jamais. Et il va passer un très magique. 7. Dernière disciple. 8. Dissipé. Dissipé. Très bien. Phase de mouvement terminée. Alors, ce qui est important, c'est quoi? C'est que j'ai fait attention à envoyer des gars et désengager à d'autres endroits après pour pas qu'il y ait des redéploys. Typiquement ici où j'ai désengagé le chien, j'ai rapproché ceux-là ici. Ici, les pinks, ils ont couru et ils ont fait une belle course de 6, donc j'ai pu un petit peu englober mon Kairos qui s'est mis à 6 pour faire ma tactique de bataille, donc ça c'est sûr. Là-bas, j'ai tout simplement désengagé Bellacor. Pourquoi? Parce que je vais essayer de tenter de rugir sur sa pierre. Pour essayer de la péter. Ouais. J'ai réussi à faire une invoque que j'ai mis à plus de 9 pour faire quelques tirs là-dedans et protéger Bellacor qui a grand besoin de reprendre des PV et de faire une petite pause. On compte sur le buveur de sang. J'ai plus qu'un PC avec lui qui peut l'utiliser. C'est parti! Phase de tir. Donc on va tirer avec les 5 pinks qui sont là-bas. Alors il y en a 3 qui peuvent tirer dans les Minotaurs et 2 qui peuvent tirer dans le Seigneur. Donc on va faire les 2 dans le Seigneur. C'est du 4+5+. C'est 4+5+. Hop. Donc ça en fait 3. Sur qui ça? Sur le Seigneur. 2 PV. Hop, j'ai fait beaucoup trop de tirs, j'ai fait 10 tirs. Donc en fait, j'en ai mis 3 et 1 dedans. Donc en fait, il me reste 5 tirs. Bon, j'ai inversé, c'est pas bon. Hop, c'est les dés qu'ils ont choisi sur les Minotaurs. Écoute, les dés choisissent de toute façon de me rendre mon dû. Non, une sur les Minotaurs. 1 PV sur le Minotaur, très bien. Ensuite, on va passer à la phase de charge qui est importante. Ouais. On va charger avec le gros papa ici. C'est parti. 7, je vais la garder, ça me suffira d'aller là où j'ai envie d'aller. Il y a un placement un petit peu millimétré à faire, donc je vais le faire après. La question se pose, c'est est-ce que je tente une charge avec les pinks là-bas? Écoutez, je vais le lancer, comme ça déjà ça va répondre à ma question, je dirai après si je vais. Je n'y arrive pas, donc c'est réglé. Et petite info, effectivement, j'ai placé le Chaos Spawn juste ici. On se retrouve à la fin de la phase de charge et au début de la phase de combat. Action de monstre avec le buveur de sang. Je vais tenter de piétiner sur tes petits gars. Ça fait 2, 3, 1 dégât. 1 dégât de plus ici. Merci bien. Et ensuite, Bellacor, est-ce qu'il va péter la pierre? C'est important, c'est sur 3+. Bellacor, les 3+, c'est pas son fort. Mais aujourd'hui, ça va. Il la brise, donc je perds le renne. Allez, j'ai fait un 6, on peut le faire une deuxième fois d'affilée. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement zappé. Allez. Oh ça c'est le problème quand vous affrontez un joueur Bok, et pourtant je les ai affrontés, mais il y a toujours des trucs qu'on oublie, etc. Lui. Et là je viens de faire une erreur, en fait c'est je lui offre des points d'invocation en faisant ça. Non mais là on peut double 6, tu sais quoi, ça fait longtemps que j'avais pas fait de 6, mais là je l'ai fait d'affilée. Ouais, double 6, il a 7 points. Plus un tout à l'heure, 8. Donc le buveur de sang, il est en 3+, reroll D1, 3+, parce que je mets plus un hit du PC qu'il a gagné. Ouais. Donc on est sur 5 attaques, 3+, reroll D1. Heureusement, mais il fait des deux. 3 attaques. Oh, j'aurais aimé en passer un peu plus. Allez, du 6. Le monde n'a pas tremblé. 2. 2 PA, moins 2. Moins 2, c'est du 6. Hey, j'ai le 6. Mais je fais 6. Hey, je fais quand même 6. Ouais, 2 des 6, regarde. Ouh, 8. 8. Donc, et 2 10. Donc, lui, j'enlève lui. Et lui. Je vais activer là-dessus. Bon, là on va faire tous les dégâts, on voit combien de PV il reste un peu partout. Parce que, ouais. On souffle autant. L'arrogance. C'est du 3+, les 6 c'est des BM. Moins 2 quand même. Dégâts. Il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde, il y a une sauvegarde à 5. Ouais, il est mort. Donc là il vient de perdre 12 points de vie. Alors, comme j'ai pété une unité, je gagne les 3 points de vie. Et après, je vais passer aux autres activations. Ici, ça va taper. Ouais. Allez, en 3+, j'ai plus le moins 1, donc 3+, reine normale. Une. Okay. C'est bon. Je fais frapper eux, donc qui frappe à 2 pas, il y aura lui. Lui, il est obligé d'aller là-dessus. Il faut que je... Peeling. Donc je pourrais mettre 3 figurines, parce que peeling 2, 3, plus 2, 5, je suis à 4,5. Donc ça va faire un petit truc comme ça. Plop. Plop. Voilà. N'oublie pas que j'ai passé le sort que si je meurs, ce qui n'arrivera pas, je peux retaper. Bah, je l'accepte. 3+.
c'est pas mal. 3 plus. Oh, il y a quelques 2, mais bon, c'est parti, jeu. Moins 1, 6 sauvegardes à moins 1. 6 sauvegardes à moins 1, donc à 5. Tout raté. Et 6 FNP à 6 de l'allégeance. 2. Les 6 attaques. Je perds 4 déjà. Les attaques de pattes. Alors, il y en a 2 qui pourront pas. C'est du 4. Du 4. Sauvegarde normale. Une seule. Rien. C'est tanké. Et sur lui là-bas, il frappe à gauche. Hein. Ouais. 4 attaques en 3 plus. 3 plus, ou alors raté. Il attaque à un pouce. Il est fatigué. Attaque à un pouce, pardon. En 4. Raté, voilà. Je vais faire tomber la foudre. Et ça, ouais, ça peut faire des dégâts. Ici, sur un 2 plus, je regagne un point de vie. Nous sommes les vrais peuples d'Azur. Sur 4 plus, tu raté. Ouais. Sur un 2 plus, parce qu'ils sont plus de 3, tu prends une BM. Tu prends une BM, un vu. Ok, un vu à 6. Oui. Voilà, j'ai pas de PV à reporter. Si, il y avait un 2, non, c'était 8, t'avais fait 10. Mm. Ok. Et voilà pour Est-ce mon. Est-ce que tour. T'as pu. Ah, on oublie lui, là, mais on l'a complètement oublié. Écoute. Ouais, c'est vrai, il pouvait pas se désengager. Bon, je considère. Je te laisse lancer. Je te l'offre, j'ai la flemme. La partie est trop intense pour ça. Par trop de trucs, il en tuera même un. Ouais, oh là là, grand seigneur. Tu peux faire un test de morale. Je ferais même un test de morale, tu vois, 4 et 1, 5. Ça prendra un test de fourbe. Tu me l'offres alors, moi je. Ici, t'en as perdu 2. 2, j'ai un test. Ouais. Je m'en rappelle plus. Un petit 6. Je peux pas faire de 6. 4 à 2, je regarde mon livre. Je pense que. Je pense pas, je pense que 6, ils sont bons. Ils ont pas harmonisé les bravos, les profils. Je connais pas tous les profils de mode par cœur. C'est très honteux. La bravoure, je connais pas, j'en fais jamais. Non, c'est bon, 6. Je vais juste prendre celui-là, du coup. J'en contrôle pas plus que mon ennemi. J'en contrôle pas 2. Donc je marque juste un point plus ma tactique de bataille. Donc ça va faire 3. Exactement. Je commence à être à la traîne. Petit dé d'init. Pour voir pour le T4 comment ça va se passer, parce que là c'est important. Oh, j'ai pris ton dé. Allez. 5, encore une égalité. Et bon, quand il y a égalité, c'est la troisième égalité que je fais, j'en fais jamais. Il y a la foudre qui tombe du ciel. Chaque unité reprend un des 3 PV. Je le prends. Il reprend un PV. Bah oui, j'ai rien du tout, voilà, c'est gratos, c'est gratuit, c'est mon prix, je le prends. Début de la phase des héros, T4, débloque, cette partie est intense, je pense que ça se voit qu'on est fatigué un petit peu. Ça commence à souffler. En tactique de bataille, tu m'as désigné Kairos pour le tuer, donc tu as un monstre, très bien. En action héroïque, qu'est-ce que tu fais? En action héroïque, j'essaie de générer un PC pour lui ici, je l'ai loupé pas mal de fois, je sais plus à quel tour on est. Ouais, T4. Et ah, il est écouté. Je vais faire une heure de gloire sur mon Kairos. Hein. On n'est jamais suffisamment conservateur. J'ai des mouvements gratos, il n'y a que lui qui pourra le faire. Je vais le faire maintenant. Si je fais un 6, ça va, on verra un peu. 3. Et bon, il faut faire un mouvement de 3 pour venir tranquillement vers ici. Phase de magie, il lance sur lui pour qu'il ne. Mouvement divisé par 2, charge divisée par 2. Je lance, je fais 7. Je vais essayer de dissiper avec Kairos. Je fais 10. Je lance sur. 7 unités, il faut pas entièrement, à 18 pour qu'ils aient moins 1 à l'arène. Je fais double 6. Pour qu'ils relancent pour blesser. Je fais 8. Kairos, s'il te plaît, fais-moi un petit 5. Ouais, il fait 12. Je me suis désengagé du buveur, parce que là, s'il meurt, il frappe, il va me faire trop de dégâts. Je vais faire un gros assaut global ici. Il va avoir des charges à tout va. Donc, quoi qu'il arrive, si je meurs, il va quand même perdre des forces. Je me suis vraiment bien, j'ai rajouté tout ce que je pouvais en PV, en figurine, en n'importe quoi pour protéger l'objectif pour le tour d'après. Là, je me suis préparé à l'assaut. J'ai réussi à rallier encore un Minotaur. J'envoie mon chaman en espérant qu'il meure et qu'il se transforme en enfant du chaos. Avec mes 8 points, j'ai mis une cocatrice supplémentaire pour avoir un tir, une charge à 9, un char pour ajouter une charge à 9. Voilà. Phase de tir. Phase de tir. On commence par cette cocatrice ici, sur un 4+. Maintenant, elle crie. Je vais commencer par mon petit chaman qui est tout seul. Ouais. Il me fait une charge à 4. Ça suffit pour aller sur les pings. Voilà. Est-ce que tu as pour ton tir de contre-charge? Non. Ouais, on sait jamais. Je garde mon PC. La cocatrice ici. 9. Ouais. Alors là, il faut faire un gros là. Plus 1 à la charge. Je fais
Moi, je suis petit, 4, 4 et 1, 5. Est-ce que tu la reroll? T'as plus qu'un PC, je crois. Ouais, je le relance. Là-bas, c'est 4, je la garde. Je vais faire gros pour maximiser. Voilà, je l'ai demandé. Merci. Ici 8 euros, je sais pas pourquoi. Encore 8, oui, bah ça devrait aller. Ok, allez, les charges. Bon, alors ça, c'est les charges du. La cocatrice à 9. Raté. Ouais. Le char relançable à 9. 9. Action monstre. Ouais, quand même, imaginons, je peux pas faire un triple 6 quand même. Vraiment pour voir si ça se fait. Ah, je l'ai vu. Un point. Je l'ai vu aussi. De ouf. Ah, c'était juste le truc qui sert à rien, mais voilà. Ici, t'as un minoteur qui a déjà perdu 2 PV, donc ici, je vais piétiner. Je cherche même pas. Non, c'était PV à toi. Ça. Ah oui, c'est mes PV à moi. Bah oui, ça, c'est mes PV à moi. Merde, Chaos va crier sur ces minoteurs-ci. Ouais, c'était important ça. Oui, c'est bon. C'était super important parce que le plus important pour toucher, il était là. Ouais, ouais, c'est ce que je voulais dire. Parce que les minoteurs, ils ont une faiblesse, hein. C'est qu'ils touchent mal. Et Bellacor, il va faire. Il peut faire un air de gloire, non, il peut pas. Il va piétiner, ouais, il va piétiner. Non, il va faire un duel de monstre. Allez, vas-y, vas-y, fonce, fonce. Ah, il va faire un duel de monstre. 5 minotaurs sur Kairos, donc ils ont piétiné. Ils ont 2 attaques chacun, plus une pour le champion. C'est du 4 plus. Je vais mettre plus un save. Hein. Ouh, heureusement que t'as bien crié tout à l'heure. C'est du 3 plus les 6 CDBM. Tu fais. 2. 2. PA. Moins 2. Moins 3 parce que j'ai. Non, moins 2. Moins 2, moins 2, c'est fini ta pierre. Attends, attends, attends. Non, tout à l'heure, j'avais pas assez de sort. C'est le seul que j'ai réussi avec double 6. Je te confirme. Ah ouais, donc du coup, je suis à moins 2. Moins 3. Moins 3. Moins 3. Mm-hmm. Moins 3, donc je suis en heure de gloire. Donc je suis en 3 plus 1, 6 milli, 2. Donc moins 3, bah, je retombe à 5. Ok, bon, c'est pas trop mal. Combien de dégâts? T'as mis plus un save? Ouais. Ok, dégâts 3. Dégâts 3, donc 3 FNP à 6. Non, 3 PV. Les attaques. De... Ouh, il va survivre ce cochon. De pied, de coup de corne. Voilà, des 6 et des BM. Ah, c'est des attaques en plus. Je te fais quand même 3 BM et 4 G de sauvegarde. À moins 1. Donc t'as moins 1, donc du coup je suis en 3 plus. Voilà, t'as 3 BM quand même. J'ai 3 BM à faire. Donc, ok, donc 3 PV de plus. 5, 5 et 3, 8. Ah, il va survivre, 8, ça va ouais, être il va survivre. C'est parti, du coup, Bellacor qui va taper sur ton général. Je vais tout mettre dessus parce que j'ai fait duel de monstres. Donc, coup, moi, je mets, il fait moins 2, je lui mets plus 1 à la save. Ok, bah écoute, j'ai déjà fait 4-1. Bah non, enfin, du coup, t'en as 3 APA moins 2 dégâts. 2. 3 APA moins 2, mais j'ai mis plus 1, donc c'est du 5. Ah, 2 PV, 4, c'est ça, dégâts 2. Ouais. Donc il tombe à 6, c'est fou. 6 PV pris, hein. Ouais, il a perdu 6 PV. Ah, il a perdu 6 PV. Il en reste 4 à faire, moi, ok. Une à 2 plus, oui. 3 plus, oui. PA moins 1 seulement. Dégâts 2. Dégâts 2. Et allez. Une à 2 plus, la queue 2 plus, oui. PA moins 3 cette fois sur 6 dégâts 2. Pile il poil. En a un ras, j'ai bien fait de tout mettre dessus. Ce qu'on va faire, je pense, pour juste gagner un peu de temps, on va faire toutes les attaques. Parce que là, il y a beaucoup d'attaques. Ah, il y a beaucoup de dés là. On va faire toutes les attaques de cette phase de combat et ici également. Et on se retrouve à la fin de la phase de combat parce que globalement, on a compris que Kairos allait survivre. Et Bellacor, je pense qu'il va pas mourir parce qu'il a le pink. À côté, on se retrouve donc au début de la phase de déroute. Bellacor, il lui reste plus que 1 PV. Il a reporté pas mal de PV sur les blues qui sont juste ici. Et du coup, il lui reste plus que 1 PV. Il a échappé belle. Ici, bon, rien n'a trop bougé. J'ai juste eu un Minotaur, voilà, rien d'exceptionnel. Et c'est à peu près tout. Moi, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Non, je le prends pas. Ouais, moi, j'ai 9 figues. Et toi, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ouais, non, 6. En fait, tu le prends pas. Du coup, tu marques 1 point. Aïe, aïe, aïe. T'étais à 12, t'es à 13. Et moi, je suis à 11. Ce que je vais faire, tactique de bataille, je vais essayer de tuer un monstre, la Cocatrix, ça tombe bien, elle est juste là. J'ai rien d'autre qui est hyper évident à faire, donc je suis même pas sûr de pouvoir le faire, mais bon, on verra bien. Ensuite, je vais essayer de regagner des PV avec le buveur de sang. Donc c'est parti, on va faire plus de 10, oui, D3, faut que j'en regagne 2 pour repasser. Non, fallait que je repasse sur mon profil moins dégressif, du coup, je suis dérangé, c'est pas grave. Je vais essayer de générer un PC que je vais mettre sur lui, sur un 2+. Ok. Il va faire un très magique. Faire 10. Kairos, il lui reste combien de sorts? Il lui reste encore 2 sorts.
Je garde. Ok. Ouais, très magique, ok. C'est bon. Je vais faire son sort signature. 10. Passe à 10. Je prends la première disciple, on sait jamais. 10. Oh, j'y ai cru. Ok, donc du coup, il passe. Alors maintenant, combien ça fait de PV? J'ai perdu 7 PV, donc ça fait plus que 3 PV en vérité. 2, 3 PV quoi. Ah oui, 3 PV de... dégressif. Ouais, de... parce qu'il est dégressif sur ça. Donc je vais mettre les 3 PV là-dedans. Je change d'avis, je vais faire taper. Ouais. Et comme dernier sort, j'ai fait très magique, fait truc, je vais faire un bouclier mystique sur moi-même. 6. Qui ma passe à 6. Disciple. Disciple. Ok, bel accord. Ah, le péril, tu le sens? Ouais. Tu le sens le péril? Allez, je vais faire son sort signature. Est-ce que je vais le passer pour une fois à 8? Redouble 6. Il est double passé. 6, je vais le mettre sur les Minotaurs. Moins un pour blesser. Fin de ma phase de mouvement. J'ai fait la phase de tir dans la foulée parce que j'avais pas grand chose de tir. Est-ce que j'ai fait un PV sur la phase? J'ai fait un 6. T'as fait un 6 en 7, donc c'est bon. Voilà, donc je me suis désengagé avec Kairos. Je me suis désengagé avec lui puisqu'il a plus qu'un PV. Donc c'est pas très conservateur de le laisser. Surtout que je vais vouloir taper en premier avec lui. Et en parlant de lui. C'est avec lui que je vais commencer à faire une petite charge, alors une belle charge plutôt. Voilà, 7. Bon, en vérité, 7, je vais juste aller me caler de ce côté-là. Je vais regarder un peu mieux après pour positionner. En gros, je veux juste qu'il soit à 8 de la cocatrice. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Et je vais charger avec les porte-peste également qui sont juste là. 10. Je vais faire mon mouvement après. On va passer aux actions de monstre. Alors, je vais crier avec le buveur de sang sur tes dragons ogres. Vas-y. Juste ici. Sur 3+, oui. Ensuite, toi, tu as une action de monstre avec ta cocatrix. Je tente un 6. Je fais un 3. C'est chiant. On fait un point. Je vais taper avec celui-ci. 4 puces, reroll des 1. C'est parti. Heureusement. Heureusement qu'il y a la reroll des 1. Bon, ça en fait que 2 qui passent. Malheureusement, j'ai un peu de mal à passer mes trucs. Un 6, non, rien. J'arrive pas à blesser. C'est sur qui ça? Sur les. Moins combien? Les dragons. T'es à moins 2 dégâts des 6. Moi, je leur mets plus 1 à la save. Tu peux pas l'écrire dessus. Ah oui, c'est vrai, monsieur a crié. Monsieur est comme ça, monsieur crie. Tu veux pas me passer ton PC? Et j'ai sauvegardé. Aïe! Eh ben, je vais. Je vais tuer Bellacor. Eh oui, parce que j'ai donné le mouvement dessus. Mon char. Je suis un peu fatigué. Mais non, il l'a pas vu. Il pensait. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Tellement confiant de faire des 6. Je l'ai absolument pas vu. C'est joueur de corne. Allez. Je voulais mon 6. Eh ben, c'est parti. Je vais prendre le mec dessus. Il a 2 attaques en 4+. Est-ce que tu vas tuer Bellacor? 3+ et une meuf. En plus, sa lance est tordue. Oh, elle lance sa lance. Alors. Un jet de sauvegarde. À moins 1. Sur 4 plus. Aïe, l'invul. L'invul. Un dégât. Son char. Un dégât. Ouais, dégât. Sur 4 plus, je reporte sur les pings derrière. Non. Elle vivra éternellement pour les fins. Elle. Oh là là, elle y a lancé sa lance. Elle l'a empalée. Les gars, il est mort. Je pense qu'on va faire l'ensemble des attaques. Parce qu'à cette heure, ouais, ouais, vous allez voir, on va essayer d'accélérer un petit peu pour pas que la vidéo soit trop longue. On va faire l'ensemble de la phase de combat et on se retrouve à la fin de celle-ci. Donc il y a eu des combats de partout. C'est pour ça que sinon vous vous retrouveriez avec une vidéo qui dure à peu près 5 heures. On essaye de raccourcir les choses et d'éviter, on va dire, ce qui est moins impactant. Grosso modo, la cocatrix, sans doute, j'ai pas réussi à la tuer. Ici, Kairos avait des pilines par-ci, par-là. Voilà, il n'était pas dans une zone très sûre, hein, Kairos. Donc, il ne lui reste plus que 2 PV. Il a pris des coups. Donc, ici, à savoir que là, il y a 2 blooms, mais en vérité, c'est 2 brimstone. C'est juste que j'avais plus de figues. Hervé me tue trop de figues. Du coup, je n'ai plus de figues. Ah, bon, voilà, ça a tapé un peu partout. Est-ce que... Alors... Bellacor est tombé, on a des figurines de partout, tout le monde est engagé sur la table. Le prince démon, le buveur de sang a aussi perdu des points de vie. J'arrive pas à lui prendre l'objectif encore. C'est un tour très compliqué, ça va se jouer sur le dernier tour. Alors, de toute façon, c'était mon tour, donc globalement, j'ai encore Stop Joe. Par contre, celui-là, je l'ai peut-être aussi, hein, parce que... Quand même pas. J'ai le prince démon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15. J'ai 6 plus 7, 8. J'ai 13. J'ai 15. Attends, j'ai 8. Non, j'ai 8, j'ai 13. Ouais, t'as 15. Ouais, t'as 15. Ouais. Je n'ai pas repris l'objet, vous l'aurez compris. J'ai tout tenté pour le reprendre, ok. Il marque un point. Je n'en peux plus. Il faut savoir qu'il y a 12 à 13 et on finit le tour 4.
Bon. Initiative. Ouais, initiative. Donc du coup, j'ai raté ma tactique, je marquais juste un point. Bizarre, initiative, ouais. ça va compter. Hein. Oh là là. Tu m'as fait 1 et je vais faire 1. Il le prend. Ouais. Et je prends l'init. Il prend le double tour. Je prends le double tour. Bon, il va pas se passer énormément de choses, donc on va se retrouver directement au début de ma phase des héros, mais on va aller assez vite pour ce tour parce qu'il me reste plus grand chose. Début de ma phase des héros, c'est extrêmement compliqué. Alors comme tactique de bataille, je vais prendre conquérir sur ce point. J'espère que je vais y arriver. C'est pas forcément hyper méga évident. Ensuite, action héroïque. Je vais essayer de gagner un PC avec le buveur de sang sur 2+. Oui. Je vais essayer de générer un PC avec mon dernier héros sur un 2+. Oui. Ouais. L'essor, Kairos, va faire un trait magique. C'est parti, trait magique. 12. Ok, même pas besoin de... il fait juste 12. Très bien, donc ça c'est cool. Ensuite, il va faire... son sort signature, il fait plus si mal. Il va faire le sort tout que tu tapes quand tu meurs sur le buveur de sang. 10. J'essaie de le dissiper sur un 10. Non, je fais 9. Très bien. Et comme dernier sort, derrière ça, il va faire un bouclier mystique sur buveur de sang également. 12. Ça, c'est cool. Maintenant qu'on a fini avec ça, on va passer donc à ma phase de mouvement. Je vous passerai également à la phase de tir. De toute façon, j'ai 3 tirs qui se battent en duel. Petit ping par-ci par-là. Ouais, petit ping par-ci par-là. Et on va se retrouver à la fin de ma phase de charge, s'il y a des charges. Je ne suis pas encore sûr de charger. Kairos n'est pas engagé, donc on est sur le buveur de sang qui va... Buveur de sang qui n'en peut plus de son combat. Il est ras des pâquerettes. Il est heureux. Ouais, il est déjà, heureux. Vous avez vu, il ne fera pas de 6. Juste pour 5 ans, il ne peut pas lui donner de 6. Là, à un moment donné, le mec, il est heureux. Il va crier sur tes mecs. Il crie avec un cri. Ouais, c'est bon. Il a crié plus. Fort. Il a crié fort. Sur qui? Bah, sur tes dragons, ouais, mais évidemment. Après, donc, qu'est-ce que tu fais d'autre? Salut, là. Bah, écoute, j'ai pas grand-chose à faire. Non, Kairos, il a plus de 3. Parce qu'en fait, j'ai désengagé Kairos histoire de le mettre dans les 6. Comme ça, je reprends cet objet un petit peu en me bagarrant. Moi, je redemande un 6. Avec je te demande un 6. Je fais un point. Oh, j'ai même fait 4. Oh, je peux même invoquer des Centigores après. Hein. J'ai abandonné ce point-ci, hein, si vous vous posez la question, parce que j'ai pas le choix, en fait. Et vu qu'en tactique de bataille, j'ai pris conquérir, si j'arrive à prendre ce point et conquérir, bah, je marquerai au moins 3 points. Et je crois que c'est le max que je puisse en tirer à ce T5. Donc c'est parti, phase de combat. Allez. Le grand Timon, je vais claquer un PC pour qu'il soit full profil. Le grand, ouais, le buveur, pardon. Et il a trop d'insultes à son dieu, non, ouais, on peut pas lui faire ça. C'est en 4 plus, et il n'y a pas de reroll D1 parce que j'ai pas chargé. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon. Non, il n'y a quand même pas de reroll D1, ça c'est bien. Ouais, mais normalement, tu peux pas faire de 6, t'as été trop mauvais vis-à-vis de ton dieu. Voilà, c'était sûr. Voilà, donc du coup, t'en as 2 AP à moins 2. 2 AP à moins 2 sur les, bien sûr, les gros. Ouais. C'est du 5. 1 des 6. Ouh, je vais prendre le décor. Vache. Hervé, il a cassé la table. Et en plus, il remet à l'envers. je fais une Clément. Bon, du coup, c'était 6 dégâts. Hey, je fais une Clément. Je balance le décor et je fais comme s'il n'y avait rien. 3 dégâts, c'est ça? Ouais, il me semble bien. Ouais, avec allez, tout je fais cadeau. Je suis cadeau. Je suis grand prince. Ouais, ça change rien. Je donne 4. Allez, à toi d'activer. C'est le bordel un petit peu. Hein. On va faire les activations un petit peu importantes. Juste au milieu, pour finir. Ah, vas-y, qu'est-ce que je pourrais faire frapper? Moi, j'étais un PV, je vais les faire frapper eux. Voilà. Ouais. Allez, peut-être que je peux. Non, j'y arriverai pas. Tiens. Mais juste pour te. M'embêter. Bon, il reste comme ça. Allez, on va essayer de tuer le. Oui, je sais pas quoi faire. On est fatigué. Elle était longue cette bataille. Allez, les embêtes, c'est obligé de jouer jusqu'au dernier tour. On peut pas jouer des standcasts, un truc simple, efficace, tu vois. Prochain rapport, on refera du standcast. Je mets des longs strikes. Full dragon. Full dragon, long strike, un truc sans talent, tu vois. Alors on peut vous faire du full dragon contre du full mouche nergal. Ouais, ça peut être un truc, on fait un truc comme ça, tu vois. Et bah lui, avant de mourir, tiens, il va frapper en 4+. Mm-hmm. 4+. Oh là là, j'y crois pas. Plus 2 attaques en 3+. 4+, 3+. Poulu. Sauvegarde normale. Ouais. 2. Du coup, c'est sur 6. Sauvegarde à moins 1. Bah, du coup, j'ai rien. Donc, du coup, 1 des 3 dégâts. 3 injures. 3 sauvegarde, pardon. 3 FNP. Rien. 3 bleus qui deviennent 3 jaunes. Voilà. 3 bleus qui deviennent 3 jaunes. Bon, écoutez, en vrai, il y a plein de combats de partout, mais ils sont
pas hyper intéressant, donc on va juste les faire en off. Intéressant pour nous parce que je vais lui faire mal, mais si on va les faire en off. Je ferai juste sa tête après ou la mienne et vous saurez. On va juste voir si tu tues le buveur de sang, si tu veux bien. Parce que le séquencement, le séquencement est important. Qu'est-ce que tu fais? On est obligé de le faire. Je vais être obligé de taper avec ici mon Chaos Spawn. J'avais plus le nom. Donc du coup, je fais... j'ai cru que c'était un double avec le reflet dans le portable. J'étais trop content. J'étais archi heureux. Donc du coup, 8 attaques. Il met tout et bien évidemment dans les dragons. Vas-y. Ok. 4+4+, allez, gratte-pille. Bon, mais 3 PV. Ouais, voilà. Et il meurt. Dragon Ogre qui meurt. Et son copain, il en prend 2. Ok, bah c'est ok, mais le Dragon Ogre, il frappe tout sur le buveur. Ouais, c'est ça qu'on voulait voir en fait. Okay. Avant qu'on fasse le reste, je veux au moins vous montrer que mon buveur de sang, cet homme-ci, va survivre. Il a crié. Ouais, il a crié, il a plus un C. Quand même. 3 plus. Moins 1. Dégâts 1. 4 à moins 1, donc à 4. 4 FNP. Ok. Allez, 4 PV. Et pour finir, les attaques en 4 plus. 4 plus. 12 PV. Moins rien du tout. Dégâts, voilà, sauvegarde normal, 4 plus. Bon, 3 plus. Combien? 4. À 4 quand même. Hein. À 3 plus. Une FNP. Non. Ok, bah du coup, il a perdu 5 PV quand même. Il en reste 1. Si je ne me trompe pas, 12, il ne reste donc que 2 PV. Bon, ça va être un. Est-ce que ma tueuse, alors là vraiment, si elle relance son javelot, déjà, on est obligé. En fait, on va la faire à toute la phase de combat. Allez, qui c'est qui frappe chez toi? Allez, les pings. Les brimstone plutôt, qui avons toutes piline. Ouais, pour apporter. Bon, ouais, elles vont juste grappiller la peinture, hein, parce que là. J'en ai loupé 2. Ok. Plus dégâts. Ouais. Allez, l'orige. Lui, il a une attaque en 4+4+. Et est-ce qu'il va tuer Bellacor? Est-ce qu'il va tuer le buveur de sang? Maintenant, les poneys en 4+3+. 4+. Allez-y, les gars, 3+. De sauvegarde normale. 3+. Ok, bon. L'orige en 4+. Oh là là. Il est énervé. Oh, il veut tuer. Elle, a déjà, elle prend c'est sa un lance. Tueur, lui. C'est une, elle lance sa lance. C'est une Amazon. Oh là là, les deux qui passent. Moins 1. Donc en 4+. Une qui passe, elle enlèvera sa petite goutte de sang. 6. 1 PV. Non. 1 PV, il me c'est reste quoi 1 PV. Allez, le chaman, est-ce 4 que c'est. 4 plus. Oh, 3 plus. Oh là là là. Double 6. Double 6, moins 1 lacet, il vient des 3 dégâts. Moins 1, des 3. Oh 4 putain. Plus. C'est allez. Super chaud. Oh oui, ça passe. 1 des 3, mais il est mort. Ah, une invule. Une invule. Non, il est pas encore mort. Ta-ta-ta. Maintenant il est mort. Il prend sa tête comme ça. Bon, on n'oublie pas que j'avais quand même passé le sort pour qu'il retape. Ah oui, donc, c'est vrai, un détail. Ouais, un petit détail. Un petit détail. Sachant que j'ai claqué un PC pour qu'il soit full profil, donc il va retaper. C'est vrai ça. Hein? C'est vrai ça. Oui, c'est vrai. regarde bien. Ouais, il va. Par contre, il s'est fait tuer par un chaman, donc il va se venger sur le chaman. C'est parti, 4 plus. Il tape dans le tas ou il fait quoi là? Oh, il est énervé. Il tape dans le tas, ils vont faire les dragons. Ouais, oui, bien sûr. C'est eux qui comptent le plus sur le jeu. Allez, du 6. Oui, un 6. Un 6 et 3 qui passent. Donc, t'as 4 saves sur tes dragons. 4 saves à moins 2. Moins 2. Ouais. Ouh là là. J'ai raté les 4. 4 des 6. Bon, ben là. 3, 4, 3. 14. Bon, ils sont morts. 14, ils sont morts. Et alors? Oh la vache. Dans les 8. Chérie, j'ai frappé trop fort. Il y a lui qui prend 4 PV. Oh putain. Il prend 4 PV. Lui, il prend 4 PV. Ton chaman, il prend 4 PV. Ton char, il prend 4 PV. Ouais. Bon, et puis ça me fait un point parce que c'est une alpha qui a tué une alpha. On n'oublie pas qu'on avait le truc. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'avais pas oublié. Donc, du coup. Moi, je te redonne un point gratos, tu passes à 13. Et la Cocatrix aussi, d'ailleurs, elle crève. Oh, parce qu'elle était à moins de 8, c'est là où je m'étais positionné avant. Oh, en plus, il me fait un truc comme et ça. Et je te fais. Tu es un monstre en plus. 14, 14, égalité. Je te propose qu'on fasse tout le reste des attaques en off.
et on va revenir ensuite au début de la phase de Bravo. D'accord. Donc globalement, voilà, ça a tabassé partout, etc. On a fait les tests de morale, rien de plus à signaler. J'ai tué toutes les pings pour me désengager. Ouais, toutes les pings, donc il est désengagé ici. Bon, voilà, on va passer au tour d'Hervé. Je pense qu'on va enchaîner puisqu'il reste plus grand-chose. On a combien? 2 points d'écart. Il y a 2 points d'écart, c'est Hervé a tué tour. Un monstre, il est à 15. Et donc, moi, je suis à 17, pardon. Et toi, t'es à 15. 12, 15. Donc, moi, ma tactique de bataille, elle va être... c'est 17 à 15. Je vais faire monstre accapareur. On va juste vérifier un détail. Je m'en peux plus, c'est le monstre du départ. Si c'est pas les monstres du départ, je mettrai 2 unités dans la zone déploiement adverse, ils sont là. Voilà. Ouais, bah, tu sais quoi, fais 2 unités dans la zone de déploiement. Non, parce que j'ai quand même envie de tuer ton monstre. J'ai envie de te faire mal. J'ai envie de te faire mal. Et si... ouais, aucun respect, parce que si je peux enlever toutes ces figurines de la table, c'est encore plus plaisant. C'est parti. Ok, donc action héroïque. Action héroïque, j'essaie de générer un PC avec mon dernier chaman. Ouais, il arrive. Bah moi je vais essayer de regagner des PV avec Kairos. Des 3, allez 3. Non, 2. J'essaie de faire un ralliement pour là-bas. Voilà, je récupère un Minotaur. Projectile magique. Ouais, essayer de le dissiper, je fais 5, c'est assez rapide. Ouais. Je m'en fais pas. Ouf, je marque même un point. Bon, avec ça, j'invoquerai un char juste pour être sûr que je le tue. Fin de la phase de mouvement. Alors, juste pour préciser, il faut savoir que Hervé, du coup, a pris la tactique de bataille. Voilà, on a un peu regardé puisqu'on essaie d'avancer un peu. Il a pris la tactique de bataille, donc de mettre 2 unités chez moi, parce qu'en fait, c'était hyper simple. Il s'est rendu compte qu'il avait celle-là, que c'était l'armée de départ et qu'il ne pouvait pas le faire avec un monstre accapareur ici, parce que c'est avec l'armée de départ et qu'il doit le désigner au début du tour. En phase de mouvement, du coup... Bon, je pense que c'est assez clair, tout se rapproche. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer plus cette phase de mouvement? Ce plaisir de tuer toutes ces figurines au dernier tour, et ça, c'est un plaisir quand même que je ne veux pas... Voilà, si je peux lui enlever toutes ces figues et regarder son visage se briser... Mon visage ne se brise jamais. Cocatrix, allez, sur 4+. Il me reste que 4 PV. Ouais, il va essayer d'enlever des figues ici. C'est jamais. D'accord, ouais. Sur 4+. Un des 6, ça va me faire un 6. 4 BM. Et ça se trouve, elle aurait tué Kairos. Bah oui, non, il reste. 4 PV. Ah mince, je crois que c'était 4. Moi, bah je t'ai dit. Il aurait survécu. Hein, et je vais le découper au Minotaur. Ah bah oui, j'imagine bien. Ah, il a quand même 3 PV seulement. Ouais. Ok, bah les charges, il y en a quand même un bon paquet. La première à droite là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire pareil toutes tes charges et on se retrouve à la fin de ta phase de charge. Ça commence déjà. J'ai l'impression que j'avais déjà vu cette scène avec un grand immonde. Et là, j'ai l'impression que c'est Kairos. Le problème, c'est que Kairos, il a plus que 3 PV et qu'il n'est pas aussi costaud. On a fait les BM de charge, voilà, il a perdu un PV de plus à cause des Minotaurs. On passe donc aux actions de monstres. Moi, avec Kairos, je fais un duel de monstres sur la Cocatrix. Ouais, moi aussi, duel de monstres. Je vais bien me toucher. Je savais plus quoi faire. Allez. Ok, donc... Je te laisse commencer. Eh ben, je vais commencer direct par la Cocatrix. Elle est duel de monstre, elle a plus 1 pour toucher de mémoire. Donc ça lui fait 3+. 3+. Moins 1 dégâts 1d3. J'ai pas de bouclier mystique, j'ai rien. Donc du coup, je suis en 5+. Dégâts d3. C'est au début de phase que tu peux me faire 2-3 BM? Ouais, c'est au début de la phase d'ailleurs. Moi aussi, tiens, je te le fais là-dessus. Tu peux ouais, voilà. On s'envoie des projectiles magiques, il m'envoie des projectiles choisis. C'est vrai que j'ai oublié. Tu peux tirer sur le tour, les... Comme des 3, ouais, attends. Ouais. Bah 3, parfait, comme ça il meurt. Très bien. Et donc, oui, du coup, des 3 BM. T'as réussi à sauvegarder un? Une seule, mais pas les deux sur Camus. Des 3 BM. Tu prends 2 PV. 2 PV. Elle a 8 attaques quand elle charge. Il me reste plus qu'un PV. En plus 1. Grâce à son duel de monstre, elle vient là s'accrocher à sa gorge. Oh là là, 3 sauvegardes normales. 4+. Ok. 2 FNP. Oui, il meurt tout pile. Il est mort. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer Kairos. Hervé va finir de fighter de partout. Voilà, juste pour bouffer un peu de viande. Juste pour histoire de montrer le résultat d'une armée bot qui défonce un petit peu. Parce que là. Oui, il n'y aura plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Et de toute façon, au début de ton tour, déjà, on savait que c'était plus que compliqué. Ok, fin de la phase de combat. Du coup, on a fait toutes les petites batailles un peu partout. Bon, c'était pour le sport. Hein. Hervé n'a pas tué toute mon armée. D'ailleurs, les pinks sont morts. Car il reste un chien qui a fui. Un chien de corne qui s'est désengagé et qui a fui. Je tiens à préciser quand même. En cas où, pour m'oublier. Il n'a pas tué toute l'armée. Voilà.
Tout ça pour dire qu'il n'a pas tué toute l'armée. Ce qu'on va faire, c'est que, du coup, en fait, à ce tour, tu vas scorer ta tactique de bataille. Tu vas marquer les 3 points des primaires. Tu vas marquer, parce que tu as tué un monstre, donc plus un corps. Tu vas marquer 3 points de plus parce que tu as tué 2 unités de pink, donc prédatrice, donc cible prioritaire, plus Kairos. Donc ça va faire 3 points de plus. Le quatrième de Bellacor qu'on rajoute, qu'on n'avait pas mis autour d'avant. Les fameux nouveaux systèmes là qui sont vraiment intéressants. Hein. C'est ça. Donc plus, tu marques ta grande stratégie. Moi, je ne la marque pas. Donc plus 3 points. Au final, ça va mener à un score. Moi, en fait, je ne bouge pas. Je reste à 17. 28 à 17. Et toi, tu montes à 28. Ouais, c'est ça. Je crois que tu as marqué 15. Du coup, tu as marqué 8. J'arrive même plus à compter. T'as marqué 13 points, je crois. Le dernier tour, ouais, c'est vrai que bon, après, j'ai pris tous les pinks. Avec les Bellacor. Bellacor, les pinks, Kairos. C'est vrai que ça donne des points et il a fallu se battre jusqu'au dernier moment. Hein. Écoute, on va faire un petit débriefing parce que là, il n'y a plus grand chose sur la table. Petit débriefing du coup de cette partie. Hervé, je suis épuisé. Ah, comme chacune de nos batailles. Hein. Jusqu'au T5. Au T5, tu marques quand même plein de points. Je pense que c'est marrant parce que si c'est l'une de... Bon, j'avais déjà fait des parties entre temps, mais en tout cas, en rapport de bataille, je crois que c'est une des premières où on met... bon, il y en a entre temps qu'on a peut-être tourné, mais en tout cas, que je tourne avec les cibles prioritaires, ça rajoute quand même 4 points sur la partie. C'est pas rien. Un pour Kairos, deux pour 2 unités de pink et un pour Bellacor. Ça, mine de rien, ça grappille. Hein, ça crée un vrai différentiel à la fin parce que 28-17... Bah, ça fait quand même 11 points de différence, donc au final, c'est quand même une bonne win, ça on peut le dire. Pff, on s'en sort pas des bocs. Il y en a trop, bon, après, les invoques. C'est une liste forte hein, que j'ai joué, c'est une liste que j'ai placée en tournoi, c'est une liste qui me permet de jouer contre, en 1v1 contre à peu près tout le monde. Et elle a quand même plein de solutions, et au fur et à mesure, je commence à de plus en plus la maîtriser, donc il y a plein de trucs que j'ai fait dernièrement, je ne referai plus. Quoi. Donc tu as vu, j'ai occupé la table, je me suis mis loin, j'ai mes Minotaurs, j'ai mis du temps à me désengager. Et pff, après, j'ai. Ouais, t'as été conservateur au début de partie. Ah ouais, bah là j'ai compris, il faut vraiment conserver ses ressources. Hein. Et au final, ça se voit parce que en fait, t'arrives pas à t'en sortir. Il y a trop de PV à sortir. J'ai tué beaucoup de PV, mais trop de PV. Ah, les invoques. Et en fait, il y a tellement de choses à penser quand tu joues contre les bocs qu'il y a des trucs que tu vas pas voir. Le sort qui me fait avancer mes Blackbearer qui te permettent de ramener tes Dragon Rock derrière, de faire le tour. Voilà, les petits pilines par-ci par-là parce qu'il y a tellement d'unités de partout que tu sais plus où donner la tête. Donc tu te manges un piline en fait où t'arrives pas à le voir d'ici. Les points avec les monstres quand ils sont engagés, voilà, il va gagner des points. Bon, il a fait des 6, mais. N'empêche j'ai quand même fait de 6. Hein, tu donnes la possibilité de gagner des points et donc en fait, il faut y penser que plus tard après, il va pouvoir invoquer. Il y a trop de choses à penser. Ça tape globalement fort. Sur la fin, heureusement, je crois que c'est au T3 ou T4, je pète la pierre. Ce qui permet de ne pas me faire raser T4, je pense, parce que j'aurais pris un tour d'avance à me faire raser. T'aurais tapé bien plus fort. Ouais, après, la pierre, il faut. Elle était plus intéressante faut, à ce stade. Il faut à un moment donné, elle ne sert plus à rien. Ouais, elle sert pas assez. Au début, tu as besoin. Mmh. Mais là, à la fin, j'ai tellement de points de vie sur la table que. Là, tu t'en copé, ouais, quoi. Ouais, je t'en copé. Mmh. Et puis, j'ai quand même. J'ai pas sacrifié mes unités les plus fortes dès le départ. Ouais. Les 2x6 Minotaurs, ils ont duré. J'ai réussi à bien les placer pour en. Voilà, ça, j'ai à faire. C'est quelque chose que j'en ferais plus souvent. C'est vraiment les mettre bien, bien loin et obliger l'adversaire à faire des choix. Mmh. Même si le mec, il a du mouvement ou autre, il doit faire des choix. Voilà. Ouais, super bataille. J'ai tiré, hein, j'ai essayé de donner le max. Mais j'ai invoqué 2 cocatrices. J'en pouvais plus. 2 chats. J'ai trop invoqué. J'en pouvais plus de me voir assaillir comme ça à chaque fois, 2 fois dans la partie, le grand immonde, Kairos à la fin. Même Bellacor, elle a pris pour son grade, il a dû refuir. Ouais. Vous avez entendu? Même Bellacor, il a dû. Refuir. Ouais, non, mais je tiens à préciser qu'on n'arrive plus à tenir. Il voilà, y en a beaucoup qui ont fui. Il hein. Y a un gars de corps qui a refusé le combat, qui a dû se maintenir. En plus des trucs épiques entre le gars de corps qui a fait pas mal de PV, le char qui tue Bellacor, le chaman qui tue. 300, le mec qui lance le javelot là. Dans le cœur du démon. C'est à la saturation quoi, et à la pénétration d'Harper qui est hyper violente avec la pierre hein, maintenant, parce qu'en début de partie, j'ai pris super cher les unités, ça tape super fort. Franchement, super partie, comme d'habitude. Ouais, je suis
rincé. Bon, allez, c'était cool. Ouais, c'était cool. Sur ce, on vous laisse. Le wargame, c'est un petit peu de ça, c'est un petit peu d'échange, d'invocation d'un côté, également de l'autre, parce que j'ai eu pas mal d'invocations, mais beaucoup d'invocations. Viens à moi. C'est un combat de télé. Et surtout, c'est un combat de grosses haches avec des buveurs de sang qui font des BM de partout. C'est ça, le wargame. Sur ce, on vous dit salut. Salut.